Eh bien, bonjour, on est en direct live pour la troisième, quatrième, cinquième fois, je ne sais plus, je fais tellement de direct, je fais tellement d'émissions grâce à ce procédé complètement fantastique qui s'appelle Google Plus Hangout. Voilà, on peut faire des petites télévisions comme ça pour entre nous, pour des sujets qui sont très rarement, voire trop rarement utilisés, enfin ou en tout cas diffusés sur les grands médias. Alors on a parlé, et puisque le podcast s'intitule donc Océan Sea Live, on a généralement l'occasion de parler avec des scientifiques qui nous parlent de l'eau. Avec des formules, avec des problèmes de pollution, avec des tas et des tas de problèmes ou des tas et des tas de choses qu'il faut savoir sur l'eau. Et on a rarement des artistes, voilà. Alors que moi, je serais plutôt dans la catégorie artiste. Et enfin, aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir de vous, comment dirais-je? De vous présenter un artiste assez hors du commun, puisqu'il photographie un peu comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire, mais lui, bah, il a une précision et il va nous en dire beaucoup plus. Déjà, je vais lui dire bonjour, Dominique Kubler. Bonjour Dominique, Oui. comment vas-tu? Salut Rodolphe, merci. Merci, ça va bien. Merci de ton invitation. Et voilà quoi. Alors, je vais présenter, Dominique, tu t'apporteras des précisions quand tu Oui. ce que tu jugeras nécessaire d'apporter. Donc, Dominique a une activité principale qui est de faire des photographies d'êtres invisibles, qu'on appelle les ondines, les gnomes, les fées. Et pour cela, eh bien, il a choisi un terrain de jeu que je connais très bien, puisque ce sont les ruisseaux. Je rappelle, pour information, pour ceux qui n'auraient pas vu le film que j'ai fait, qui s'intitule The Experience Being Water, où je suis resté 2 mois à filmer l'être de l'eau. Voilà, c'est des choses qui sont invisibles. Alors, pour répondre tout de suite à ceux qui seraient anti toutes ces choses-là qui sont invisibles, eh bien pourtant ces personnes-là valident l'hypothèse que nous sommes faits de molécules H2O et c'est aussi une chose qu'ils ne voient pas et pourtant ils valident. Donc pour choses invisibles, autant montrer et c'est là où ça devient extraordinaire et c'est là où le travail de Dominique, à l'inverse des scientifiques d'ailleurs qui n'ont aucune photo des molécules qu'on nous dit qu'on a dans le corps, eh bien Dominique, lui, quant à lui, eh bien photographie et il a des photos. Alors ça prête à interprétation, mais justement le podcast Océan Sea Live va lui donner la parole justement par rapport à ce qu'on peut voir dans l'eau et il a des tas et des tas de clichés à nous présenter et il va nous montrer, il va nous guider un peu. Et puis parfois, il n'y a pas besoin, on voit vraiment soit un visage, soit autre chose. Et là, c'est tout le travail de Dominique. Alors la première question, Dominique, Oui. je dirais, comment t'es venu Comment t'es arrivé là? Comment t'en es venu à photographier ces êtres invisibles? Parce que qui dit invisible? Moi, j'ai connu le même problème, donc à la limite, je sais de quoi je parle. Filmer ou même photographier l'invisible, comment ça t'est venu? Voilà, c'est première question, toute Oui. bête. Ah ben, disons que les ondines, les élémentaux, les gnomes ont toujours baigné mon imaginaire quand j'étais enfant et adolescent aussi. Et j'ai lu des ouvrages sur le sujet qui prétendaient que ces êtres existaient et vivaient dans une autre dimension, dans chaque élément respectif, les ondines, l'eau, les gnomes, la terre, les sylphes, l'air et les salamandres, le feu. Ce serait un peuple, pour ainsi dire, presque une civilisation qui vivrait en parallèle à côté de nous et dans les éléments, quoi. Alors, je me suis dit que si des êtres vivent dans le milieu aquatique, ben, peut-être qu'ils sont assez à l'aise dans ce milieu-là pour pouvoir faire des petits clins d'œil en sa surface. Alors, j'ai anticipé le fait, avant de prendre les clichés, qu'il pourrait y avoir pour dire une interaction par un clapoutis, par un jaillissement quelconque, peut-être. Alors, c'est ben, ce jour de la Saint-Valentin. Non, je peux peut-être présenter la photo en même temps que Bah je raconte la suite. Ah non.
Ouais, bah à la limite, moi, je voudrais simplement rappeler quand même, parce que c'est de bon ton, je le fais régulièrement. Je vais enlever mes lunettes parce que sinon ça va le reflet et c'est très désagréable pour les gens qui nous regardent. Il est de bon ton de commencer tout simplement par ton livre, puisque tu as écrit un livre, voilà, Oui. qui s'intitule La magie du ruisseau, c'est ça? C'est ça. La magie du ruisseau, oui, qui Voilà. rassemble 400 photos de, je vais dire, 400 photos de création. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur la photo n'est pas un gnome ou une ondine, mais c'est sa création artistique. Autrement dit, bon, dans l'hypothèse que cette ondine pourrait agir sur le mouvement de l'eau pour créer par des truchements de reflets et d'impressions d'optique au-dessus de l'eau. Une création qui permet de rendre tangible cet être-là, justement. Donc oui, ce livre rassemble 400 photos. Il m'a pris donc 5 ans au bord de l'eau, presque tous Est-ce les jours. que par hasard tu aurais une couverture, un livre là, un exemplaire à côté? Non, j'ai pas d'exemplaire à côté. Ah, tout de suite là, à côté Non, mais de... c'est pas grave. Ou sinon, est-ce que tu as. Mais parce que je le montre, je le Ah bah mettrai. oui, bah, ouais. Sinon, bah, si tu l'as sur ton ordi, que tu nous fasses que tu nous le présentes. Bah, éventuellement, ouais. C'est-à-dire que là, maintenant, je peux couper. Bah, écoute, ce que je peux proposer de faire avant qu'on commence, puisqu'on avait on a préparé l'émission ensemble, c'est qu'on va essayer de lancer Ah oui, la le vidéo. film, la Oui. vidéo. Et la Donc, couverture.
avant qu'on continue avec Dominique, c'est aussi de rappeler que Dominique a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver quand même pas mal de vidéos, puisque en plus sur les ondines et tout le peuple des ruisseaux, eh bien, il s'amuse parfois à tout simplement filmer des feuilles dans la rue, etc. En tout cas, ça vous montrera à voir autrement et même dans la rue, voilà, avec des feuilles et bizarrement, des 2-3 feuilles qui vont, pour on ne sait quelle raison, faire un mouvement, voilà. Et donc, certains passants, ils verraient rien, à la limite, ils ne le remarqueraient pas. Et puis, certaines personnes, comme Dominique, prennent leur appareil pour filmer et interpréter quelque chose, voilà. Donc là, pour le coup, puisque la vidéo, malheureusement, on ne maîtrise pas, alors, on va commencer, Dominique, si tu veux bien, par si tu peux nous montrer déjà la photo de ton livre, et puis ensuite, on va commencer à faire la galerie de toutes tes, bah, de tous tes clichés, enfin, en tout cas, les clichés que tu nous as sélectionnés. D'accord. Et puis, en parler avec nous. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà la photo de ton livre ? Alors, la photo du livre, je ne l'ai pas. On le verra après. J'ai la photo du gnome qu'il y a sur le livre. Donc, d'accord. Vas-y. Voilà donc la photo du gnome du livre. Voilà. Partager l'écran. Voilà. Donc, est-ce qu'on voit aussi ma souris sur la photo qui se déplace ? Oui. D'accord. Ben voilà, donc ça c'est un lichen, c'est un champignon qui a poussé sur un bout de bois. Et le mouvement de l'eau, ben, en fait ressortir un visage, un profil de gnome. Voilà pourquoi j'ai choisi, c'est un des plus représentatifs personnages gnomesques que j'ai pu photographier. Et voilà pourquoi je l'ai utilisé pour en faire la jaquette du livre, La magie du ruisseau. Donc voilà, on le verra après comment m'est venu à immerger ce bâton. Et moi, je vais commencer par la première photo. Voilà la première photo. Qui est la position Rodolphe. C'est pas vrai. Voilà. Voilà. Voilà donc la première photo. Voilà donc en position de recherche. Ouais. À quelques centimètres au-dessus de l'eau, souvent en équilibre sur les rochers. Et puis voilà, donc c'est vraiment entre ces 5 centimètres que tout se passe et sur une portion très réduite du ruisseau. Donc à cet endroit, ben voilà, apparaît au gré des mouvements d'eau. Là on a une feuille d'automne. Ouais. Feuille d'automne trouvée là comme ça, et qui se métamorphose en un personnage de dos. Alors des fois, en décortiquant l'image, on trouve encore d'autres détails. Là, on a un petit, j'ai appelé ça un petit ange gardien avec l'auréole à côté là, avec une petite loupe dessinée. C'est une bulle qui se transforme en loupe, comme pour intimer l'œil à regarder de plus près. Et au cœur de cette goutte, alors je sais qu'il faut des fois pousser l'œil un peu loin, il y a deux yeux qui vous regardent. On dirait encore une fois un personnage à l'intérieur. Donc il y a vraiment un côté, c'est un peu une photo gigogne ou pérusse, quoi, où dans une image première, ou un petit peu aussi comme les targents de Rorschach, on peut y voir finalement ce que l'on veut, pas mal de choses. Alors certains voient dans ce cliché aussi, alors, j'ai souvent des remarques un peu spectrales, il y en a qui voient le crâne de Victor Hugo. Et oui, on voit un crâne, hein. Ouais, là, un dessus, ouais, voilà, un crâne. Ah, extraordinaire. Alors, bon, ah ouais. Voilà. Un crâne, voilà, et donc il y a vraiment cette. En même temps, on peut discuter. En fait, je m'attendais pas à pouvoir discuter autant de temps sur un cliché pris au-dessus du ruisseau, parce que pour moi, au départ, quoi de plus aléatoire, de plus chaotique, même désordonné que l'eau. Quand on le voit à premier abord, on s'imagine mal qu'il peut y avoir une cohésion dans une forme tout d'un coup. Et c'est finalement, c'est pas dans un cliché que je me suis posé des questions sur l'interaction de ces êtres au niveau de la surface de l'eau, mais c'est vraiment une succession de clichés qui m'a permis de un peu de me dire quelles sont les chances que la mécanique des fluides offre comme ça entre 5 et 10 photos. Parce qu'on peut s'imaginer qu'il m'a fallu prendre des milliers de photos pour avoir ce personnage. Ben, c'est pas le cas. Cette feuille, je l'ai photographiée 5 ou 6 fois, et c'est à la 6e fois ou 5e fois que ce personnage est apparu.
Donc, on... pareil, non loin de cette feuille d'automne, une algue sur une pierre, toujours dans le même ruisseau, hein, le même jour, et toujours aussi dans cette tentative. Après, on va y venir. C'est pas les premières photos que j'ai prises. Ça, c'est des photos qui sont, j'allais dire, postérieures aux premières. Là, je vais appeler le. Alors, je m'amuse des fois à donner des titres aux photos. Celui-là, je vais appeler l'Aztèque extatique. Alors, l'Aztèque extatique. Plus dur à plus facile à écrire qu'à prononcer. Là, il y a une tête un peu amérindienne, comme ça on voit un peu avec une mentonnière, je sais pas si Oui, ça se voit voilà. clairement, ouais. Voilà, Ouais. clairement, et avec l'œil un œil fermé par une coupelle, un œil un peu plissé, dans un air méditatif, avec le troisième œil sur le front. Ouais, voilà, le deuxième, après 10 photos plus loin, au-delà de la feuille, voilà qu'apparaît ce personnage. Et voilà donc là, ben, comment amener cette démarche, c'est-à-dire que, comme je l'avais dit avant, je voulais vérifier ben, l'existence de ces personnages de contes et de légendes dans leur terrain respectif, dans leur propre, j'allais dire, Est-ce que contrée, quoi. pendant pardon, est-ce que pendant ce temps-là, pendant que tu étais dans ce monde, est-ce que y avait à la limite quand on repose des questions, que les gens te revoient quand même, parce que reviens-nous. Oui. Oui, je viens de comprendre, ouais. Ouais, reviens-nous un peu là. Ouais, je viens de comprendre. Qu'on Voilà, essaye d'accord. Ok. de combiner à la fois, et puis en Voilà, fait. oui. Parce que, en fait, si j'avais laissé l'image, tu me. D'accord. Ouais, non, je te vois pas sinon. Malheureusement, Voilà. parce qu'il y a un autre outil qui s'appelle Google Drive et bon, on n'a pas D'accord. su non plus Ok. l'utiliser. Et oui, j'étais devant. Voilà. Sinon, les gens pourraient voir en même temps les photos et en même temps te voir. Mais là, malheureusement, c'est la meilleure des façons qu'on ait pu trouver Ouais. ensemble. J'imagine que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viendront, on sera beaucoup plus organisé. Voilà. Disons que ma question serait, est-ce que en même temps, en parallèle, que tu prennes ces photos, et vu que tu navigues vraiment dans ce monde, est-ce que t'es passé par des lectures, j'imagine, tu vois, pour en savoir plus de ce monde-là, parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont reconnus en France, Bien sûr. justement pour connaître et voir. Est-ce que tu as essayé de sentir, tu sais, par les vibrations, s'il y avait des présences, etc. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est. Bah, disons que c'est vrai qu'évidemment, au-delà du fait que bah, j'étais surpris qu'on n'en parlait pas que dans les contes, puisque j'ai aussi découvert que des anthroposophes, j'allais dire, comme Rudolf Steiner, par exemple, en parlent aussi, en parlent comme, j'allais dire, de manière rationnelle, comme étant capital à toute vie sur Terre. Et les élémentaux, les gnomes, aucune plante, d'après lui, d'après même d'autres. Aucune plante ne pourrait pousser sans l'intervention des gnomes, par exemple, parce qu'ils participeraient dans l'invisible, des petits êtres conscients, comme on les imagine, hein, avec mon petit chapeau rouge, dans une autre dimension, qui participent à l'assimilation des plantes, par des échanges carbonés, des échanges d'acides aminés et autres. Ils font un peu le lien entre en fait, entre la photosynthèse et l'alimentation de la plante, ils sont un peu les intermédiaires. Je sais que et c'est justement à ce titre, en lisant ça, où je me suis dit, mince, mais ils n'existent pas que dans des contes, ils existeraient donc en vrai. Alors j'ai demandé aux gnomes, si vous pouvez vraiment influencer la croissance des végétaux, est-ce que vous pouvez me faire choisir un bâton sur lequel vous auriez éventuellement influencé la croissance pour en suggérer un visage gnomesque? Alors là, c'est comme ça que j'en ai venu, quand je suis venu à ramasser ce bâton avec le lichen jaune. Donc imagine ma surprise comme réponse à avoir ce profil de gnome. Alors, j'ai posé l'appareil, je te cache pas, je me suis dit, ben, j'ai vraiment cette impression, tu sais, à l'époque, temps X, quand t'avais le mec qui voyait en noir et blanc autour et qui basculait dans une autre dimension. J'ai vraiment eu le sentiment ce jour-là, avec cette photo, ben, que ben, tout était chamboulé, parce que jusqu'à présent, encore une fois, j'étais ouvert à cela. Mais entre ouvert et expérimenté, finalement, par de voir comme ça apparaître, comme une apparition sur l'appareil, par rapport à mon questionnement, ben, m'a déjà convaincu, quoi. Parce que je me suis dit, ben voilà une des premières réponses de ces êtres-là par ce cliché. Alors, après je reviens, justement comme c'est frais dans mon discours, je voudrais peut-être montrer le lichen à nouveau, Oui, vas-y, vraiment ouais. qu'on comprenne d'abord, il faut que je l'ouvre. Voilà. Donc voilà le lichen au départ, qui est donc que j'ai donc ramassé.
Voilà. Donc voilà un champignon, hein, que j'ai ramassé donc au bord du ruisseau. Et ensuite, donc voilà, on voit déjà qu'il y a un visage plus ou moins gnomesque. Donc déjà, en gros, les gnomes avaient déjà répondu à ma question en me faisant choisir ce bâton avant même l'immersion. Donc déjà, on voit un peu un menton, une petite bouche ouverte, un petit nez, mais c'est encore très grossier. Autrement dit, en le plongeant sous l'eau, l'ondine, entre guillemets, par coopération, on va dire, va affiner les traits de ce gnome et faire ressurgir, accentuer finalement l'oreille pointue, le nez, l'œil plissé, le haut chapeau. Finalement, elle va complexifier la forme en affinant justement, en agissant sur le mouvement de l'eau et pour faire ressurgir finalement ce visage, alors qui correspond quand même à l'imagerie populaire des gnomes. Alors, pour autre réponse à ma question, voilà. Pour autre réponse, il faut que je revienne avec le gnome blanc, après je reviens sur le visu. Voilà. Voilà pour autre réponse à ma question. Donc, à côté du gnome jaune, sur la berge, il y avait un autre bâton, à côté du bâton avec le lichen jaune. En le plongeant sous l'eau, encore une fois, on dirait un genre de Père Noël ou de gnome avec une toque en mousse, une barbe blanche, le petit nez rond. Enfin, voilà, quoi. Donc, côte à côte sur la berge, voilà, ces deux gnomes qui se font, face à face, quoi, dans la nature. Donc, évidemment, ces deux photos m'ont déjà permis de faire une idée. Donc, ce que j'avais lu finalement la veille sur Rudolf Steiner, sur l'aptitude de ces êtres à agir sur la croissance ou à participer à la croissance des végétaux, se voyait confirmé par la photo le lendemain. Et en fin de compte, là, bon, j'accélère peut-être un petit peu en là-dessus, mais maintenant, en fait, chaque fois que j'avais un doute ou un questionnement sur une idée, une chose que je disais, quand j'allais au-dessus de l'eau, j'avais un curieux écho. Donc voilà, un curieux écho qui, des fois, répondait avec assez de précision sur mes questionnements, quoi. Donc je sais que ça paraît saugrenu, mais il m'arrive souvent de poser une question à l'eau, de prendre une série de clichés et d'être comme ça un peu aiguillé par ce procédé, quoi. Ce procédé, c'est-à-dire en posant des questions. Procédé, oui, bon, j'ai donné, c'est vrai que c'est un nom un peu, bon, j'allais dire, tiré par les cheveux, j'ai appelé ça l'aquaphotomancie. Tu sais, c'est à l'époque, les oracles de Delphes consultaient les lacs, la surface des lacs était des fois consultée par des sibylles qui voyaient mille et une visions par des truchements des branches, des formes, qu'ils captaient comme ça et qu'ils interprétaient à des vues oraculaires, des divinations. Et alors, bon, l'idée, c'était de reprendre ce procédé ancien dans l'esprit et d'y associer à la photo comme un peu comme une vision photographique. Parce que je suis pas médium, j'ai pas mon troisième œil ouvert. Par contre, bon, là encore, j'ai pu faire hérisser des gens un peu réfractaires à la technologie. J'avais appelé l'appareil photo le troisième œil numérique pouvant capter des visions photographiques, justement, quoi. Alors, vision, on l'a vu pour les gnomes. Quand je me questionnais sur l'existence des gnomes, il y a eu des gnomes qui apparaissaient. Je m'étais questionné plus en profondeur sur la culture de ces êtres. Connaissaient-ils, je sais pas moi, l'écriture ou autre? Et on verra après, des écritures apparaissaient aussi sur l'eau par le biais des reflets du soleil au-dessus des ruisseaux. Alors, en premier contact, j'ai donc eu ces formes. On verra, il y en a encore d'autres. Il y a d'autres gnomes qui sont assez probants dans leur imagerie. Il y en a un. Alors, chaque fois que je le relance. Bon, pendant que je voilà un cliché. Alors, j'ai appelé cette photo. Bon, c'est pas de notre génération, c'est le gnome Télétubbies. Non, je vais pas faire de. Là, c'est bizarre. Pourtant, je l'ai ouvert, tu vois. Pourtant, je l'ai ouvert. Mais si, c'est bon. Voilà. Le gnome Télétubbies. Voilà, Ah oui, donc celui-là, oui. Alors, c'est une algue sur une pierre. Une algue sur une pierre, de nuit, avec le flash de l'appareil. Et voilà, le flash va heurter judicieusement le haut
J'appelais ça un gnome à casque antenne pour communiquer avec les humains. On le voit non, avec son visage, voilà, son équipement. Voilà où je voulais en venir, justement, quand même curieux, on retrouve voilà, la lèvre inférieure plus charnue. Bref, j'avais vraiment cette impression d'avoir devant les yeux une imagerie correspondant fidèlement justement à l'imagerie populaire des gnomes. Et toujours, ce cliché, bien entendu, n'était pas pris par hasard. Il a été pris à cet endroit dans l'espoir d'y voir une présence gnomesque ou ondinesque, on verra plus tard. Et là, encore une fois, en très peu de clichés, est apparu ce curieux personnage, le gnome Télétubbies. Voilà. Donc je reviens, voilà. Voilà donc encore un des personnages qui correspond encore une fois à l'imagerie. Alors, je sais pas si je continue certaines photos encore sur les gnomes ou. Oui, on peut continuer sur les gnomes et puis dans les anecdotes qui Bien viennent. sûr, Est-ce que justement dans ton qui livre, m'aideront à l'eau. tu expliques justement le contexte dans lequel tu as pris les photos ou tu mets simplement les photos? Ah, non, c'est-à-dire que je raconte toute l'histoire. En fait, je raconte toute l'histoire, comment c'est venu. Parce que bon, évidemment, c'est pas venu le 14 février, je suis allé au bord d'un ruisseau. Antérieurement, j'avais un aquarium à la maison avec un crapaud, à l'intérieur, un petit crapaud chinois, qui me saluait de la patte. J'avais fait un terrarium. Et en agrandissant, alors je l'ai pas ici, mais en agrandissant le crapaud saluant, au-dessus de sa tête, il y avait la condensation qui se dessinait en forme de dragon. Et alors, je reprenais des photos d'aquarium, et chaque fois, je me disais, tiens, cette buée semble modelée comme ça, de l'autre côté, comme un doigt invisible aurait frotté au bon endroit pour laisser apparaître justement ces visages. Alors, je me suis dit, ben, c'est comme ça réellement que c'est venu. Je me suis dit, mais quel être a une affinité suffisante avec l'eau pour pouvoir agir dessus. Après, j'ai tapé eau, être vivant dedans, invisible. Ouais, j'ai fait un espèce de petit mot-clé pour essayer de trouver ça et je suis tombé sur ondine. Et c'est ainsi de suite que j'ai compris que les ondines étaient des élémentaux, que c'était pas que dans les contes et que, ben, voilà, Mais j'avais. est-ce que tu t'es pas posé la question de savoir si finalement les contes, comme on dit, est-ce que ça ne sert pas justement à nous détourner à nous détourner de ce monde-là? C'est-à-dire que pour une bonne et simple raison, c'est que puisque je suis passé aussi par la même chose, moi je ne me suis pas fait une spécialité comme toi de les photographier ou essayer de les photographier, mais j'imagine que de toute façon, par mon expérience de Being Water, j'ai été connecté à quelque chose. De très très fort. Les ondines, ça me parle. De toute façon, rien que d'avoir appelé Odona Film pour ceux qui ont vu certains de mes films où je présente Odona. Odona est le nom de. Ça veut dire eau de torrent en celtique. Et c'était un esprit de l'eau. Et est-ce que tu t'es pas posé la réflexion justement? Est-ce que c'est. Il y a. On va dire. Est-ce que ces contes n'ont pas servi justement à nous couper de ce monde. Je veux dire par là, si c'est pas finalement un pont créé par l'imaginaire vers ce monde réel La des question ondines. que je me pose, c'est est-ce que finalement ceux qui ont mis en place ces comptes et qui ont fait que les enfants sont bien obligés de passer par là, tu sais, c'est un peu de faire croire au Père Noël. Enfin, je veux dire, c'est une règle. Voilà, on doit croire au Père Noël. Est-ce que quelque part, ça court-circuiterait pas, je dirais, notre possibilité J'ai de rentrer bien. vraiment, puisqu'on a on, finalement, à cause de notre imagerie, Voilà. ce que. Tout à fait. On est trop envahi dans notre imaginaire par tous les films hollywoodiens, les Walt Disney et compagnie. Et quand on veut voir une fée, on pense tout de suite. Enfin, j'imagine que les gens de ma génération, puisqu'on est à peu près du même âge tous les deux, moi, quoi, je vais penser tout de suite, ça va être la fée Clochette de Peter Pan, par exemple. Voilà. Voilà. Alors que les fées n'existent pas sous cette forme, puis quand elles sont invisibles, et puis elles sont quand même, on peut les sentir, mais vibratoirement parlant. Mais là, je ne veux pas commencer à rentrer sur ce terrain-là, puisque
je suis pas un très très grand pratiquant de ce genre de perception, ce qui est dommage. Je fais autre chose, en tout cas je suis autre chose. Mais quand je dis je suis autre chose, je suis autre chose, je suis dans le du verbe suivre. Voilà. Mais il n'en reste pas moins pour des gens comme toi ou comme moi qui travaillons sur des choses invisibles. Moi, je parle d'intuition, par exemple. Voilà. Moi, Voilà. je peux pas expliquer autrement. Ça va être, on est obligé de faire confiance à cette intuition. Ben, En tout cas, je te. voilà. Quel est toi ton positionnement? Qu'est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Où Ben est-ce que tu en justement, es un peu dans tes c'est. projets? Ça me parle dans la mesure où justement je les vois pas vraiment, mais j'ai l'intuition, voilà, au bord de l'eau, il se passe quelque chose, mais on peut pas l'expliquer avec des mots, puisque c'est un, comment dire, c'est un moment très particulier qui est difficilement descriptible. On sait à côté qu'il y a quelque chose, mais on peut pas l'expliquer, quoi. Alors c'est vrai que, comme tu disais, l'imagerie populaire des gnomes a jeté un peu le discrédit sur leur réalité métaphysique, évidemment, quoi, puisque leur représentation naïve, leur légèreté dans leur comportement, dans leur habillement, donne vraiment l'impression que c'est sorti de la tête d'un l'imaginatif de créateur de l'époque ou de ces êtres comment dire, des conteurs, en fait que ça a germé dans l'esprit des conteurs, de l'imaginaire des conteurs. Et Alors c'est puis, vrai que vas-y, je t'en prie, vas-y. De les revoir sur l'eau, revoir cette imagerie sur l'eau, ben certains me disent, ben tiens, c'est de là que les contes viennent. Les gens sont allés dans la nature pour l'observer. Alors je dirais oui, mais bon, à l'époque il n'y avait pas d'appareil photo, quoi. Donc je veux dire, comment les anciens, bon, les anciens celtes, l'ancien druide appréhendaient ou regardaient ce monde. Ben déjà dans les temps anciens, la première approche, c'est-à-dire quand il y avait une forme d'un rocher qui suggérait maintenant un dragon ou un gnome, ah ben, il était identifié au gardien, à la manifestation physique du gardien du lieu. C'est-à-dire que dans la forêt, il y aurait des gardiens invisibles, comme ça, dans des endroits particuliers, et que ils se manifestent dans la matière, dans les temps géologiques, dans un arbre, dans une écorce. Alors, bon, j'ai pas une grande bibliographie, hein. J'ai beaucoup survolé et surfé sur le web pour voir ces indications, mais il y a un livre que je recommande. C'est La nature et le sacré de Mario Mercier, un superbe livre d'un chaman européen qui, j'allais dire, qui a été initié en Amérique du Nord, où justement il parle de ces formes et il dit une phrase très juste, qui est que toute forme, tout signe dans la nature est la manifestation d'une intention issue de l'invisible universel. Autrement dit, il n'y aurait pas de hasard dans les formes, dans les rochers, dans les nuages. Il y aurait une intention derrière, tout comme mon hypothèse, tout comme je suis arrivé à cette conclusion, qu'il y a une intention derrière les clichés que j'ai pu prendre. Et encore une fois, c'est pas une exclusivité due à mon appareil ni à ma personne. C'est une récurrence de la mécanique des fluides. Autrement dit, si quiconque fera l'expérience, comme j'ai pu la faire, de prendre une dizaine de clichés en macro au-dessus de l'eau, arrivera. Alors ça, c'est presque sûr, puisque j'ai pu le vérifier sur des stands ou des expos où j'ai été. J'ai eu des gens qui sont revenus un an après, même sur le net, qui m'ont présenté des photos en me disant, ben écoutez, c'est vrai, ça, c'est aussi probant que vos clichés. Donc voilà, c'est-à-dire l'eau parle, et quel que soit le scepticisme de la personne derrière. Par contre, mon hypothèse, elle est que l'eau fait écho en fonction de son imaginaire, de son imagerie. C'est-à-dire, si maintenant un mathématicien ou un banquier prendrait une photo au-dessus de l'eau, ben, par exemple, dans l'aquaglyphe, il aurait peut-être le CAC 40 affiché par le soleil, ou il y aurait une connotation avec ça. Il y aurait un espèce de protocole mondain, si je puis dire, une espèce d'image chose, une métaphore comme ça qui serait délivrée par l'eau. Alors, là encore, Alors, bah écoute, là tu me tends une perche magnifique. D'ailleurs, ça fait écho à quelque chose sur laquelle je suis en train de communiquer actuellement. Et d'ailleurs, on va peut-être en parler puisque tu vas nous montrer des clichés de cristaux de glace et que tu n'as pas obtenu en gelant ou ceci ou cela. Enfin, hein, tu n'es pas le Emoto français. On en reparlera. L'eau ne juge pas. Voilà. Qu'on soit bien clair, d'accord, que ça soit de façon positive ou de façon négative, l'eau ne juge pas. Elle fait pas des beaux cristaux pour les gentils humains et elle fait pas des moches cristaux pour les méchants humains. Qu'on soit bien clair. Ensuite, que l'artiste
Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, Dominique nous a montré qu'il voyait un visage, qu'il voyait ceci, qu'il voyait cela. Bon, moi, j'ai vu aussi d'autres choses. Ça prête aussi à C'est l'interprétation. ça. Il faut savoir que Monsieur Emoto, avec qui, au contraire, je trouve ça fantastique le travail qu'il fait, parce qu'il arrive dans le grand public à faire changer le regard sur l'eau. Donc c'est tout bénef pour des gens comme moi, pour des gens comme Dominique, par rapport à ce qu'on fait. Mais restons chacun à notre place. Ce que fait Monsieur Emoto, c'est sa vision. C'est pas l'eau, c'est pas le langage de l'eau. Faut arrêter les rêveurs. C'est Monsieur Emoto qui se positionne. Et là-dessus, je n'ai rien, absolument rien à dire. Mais il faut, l'eau est bien, bien trop sage pour s'abaisser à juger comme nous on le ferait avec notre mental. Donc, s'il vous plaît, qu'on soit bien clair avec ce l'eau ne juge pas. Quand je t'entends, Dominique, par exemple, moi, c'est voilà, c'est ce que je vois. Je veux dire, tu nous as pas dit un banquier viendrait prendre une photo, il aurait des éclaboussures parce que l'eau, elle l'aime pas. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est bien non, sûr. c'est un être humain. Les actes sont condamnables de chaque être humain, qu'il se comporte ou qu'il se comporte mal, l'acte est condamnable, mais un être humain n'est jamais condamnable. L'être et l'eau, c'est deux choses, c'est la même chose. Voilà. C'est bien pour ça que nous sommes composés quasiment que d'eau. Voilà. Nous sommes des êtres avant tout. Et ça, c'est vraiment important de le signaler parce que franchement, autant Monsieur Emoto nous fait vraiment un bien fou pour le grand public et sortir l'eau d'ailleurs du monopole des scientifiques. Mais de l'autre, là où ça fait un peu mal, c'est que voilà, on croit que l'eau donne des bons points et des mauvais points. Je Tout à fait, prends oui. deux exemples. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement pour le cristaux influencé, enfin pour l'eau influencée par le mot Hitler. Donc l'eau ne donnerait que des cristaux moches. Hein, c'est l'interprétation qu'on peut Ouais, s'en en faire. gros, ouais. Bah oui. Et pour Mère Teresa, qui est évidemment une femme dont on va pas, enfin qui s'est comportée fantastiquement avec des gens pauvres, donc l'eau reconnaît qu'elle était une gentille personne, donc elle a droit, elle, à son beau cristal. Ça, c'est alors là, on est complètement dans du délire total. Et là-dessus, je serais vraiment intransigeant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour me moquer un peu des gens qui utilisent déjà le travail des motos pour faire dire que l'eau juge, et qu'ensuite, après, il parle d'Emoto comme un scientifique. Et Emoto n'est pas un scientifique et il ne s'en cache absolument pas. Alors, il faut arrêter. On revient sur Dominique. Et donc, ton expérience par rapport à l'eau, qui est, je trouve, vraiment imbibée de respect et on le voit même, on l'a vu. Dans comment tu prenais les photos, puis vu la patience, parce qu'il faut, pour prendre toutes ces photos-là, je parle même pas de trier, mais t'as passé combien de temps à côté des ruisseaux? Bah disons, j'ai passé plus de temps à trier les photos qu'au bord du ruisseau. Autrement dit, des fois par jour, je pouvais passer 1 heure au bord de l'eau, 1 heure au bord du ruisseau. Ensuite, bah, mon appareil arrivait à saturation, hein. J'avais les 2000 photos que me permettaient de me faire l'appareil. Et c'est vrai qu'ensuite, ben, je passais des fois des nuits entières à les trier. Mais je remarquais bizarrement que c'était souvent dans les premiers clichés que les choses apparaissaient et que c'était pas forcément à la dernière. Autrement dit, on dirait que des choses étaient à dire à un moment donné, au début, mais qu'après toutes les photos dans les tentatives de forcer, on va dire, la forme, ne servaient à rien. Il y avait des rendez-vous photographiques comme ça au bord de l'eau qu'on ne pouvait pas ben à tout prix chercher quoi. Donc c'est vrai que des fois les plus beaux clichés c'est ceux que justement que j'attendais pas. C'est ceux qui étaient pris spontanément comme ça dans des moments particuliers. Et c'est vrai que j'ai voulu vérifier justement la répétition des clichés. C'est, je me suis dit si je fais maintenant 1000 photos par jour, est-ce que je vais avoir beaucoup plus de gnomes que si j'en fais que 100? Ben non. C'est-à-dire que donc c'est ça aussi. On peut s'imaginer que c'est vraiment dans la répétition que les formes apparaissent. Ben non. Moi, je trouvais quand même qu'elle défiait un peu les lois de la probabilité.
Parce que comment expliquer que le gnome jaune, dans sa cohésion, on retrouvait l'ombre d'or dans le menton, dans la bouche, et à 10 clichés du gnome à barbe blanche, et qu'ensuite les 800 autres clichés que j'ai pu faire, il n'y a rien dessus. Hein? Donc, parce que pour moi, ben, ça correspondait à ma question de départ, et comme ma question était répondue, ben après, voilà, c'était un peu les deux jokers, j'allais dire, à l'époque, quand on posait une question à un druide ou au père Fouras, on avait juste droit à deux essais. Je pense que le sage du ruisseau avait répondu, il fallait pas insister, parce que ben il y avait plus de résultats vraiment probants. Donc voilà encore, il y a eu toute une voilà donc des milliers, évidemment des milliers de photos regardées, triées, beaucoup de temps passé au bord de l'eau, à trouver aussi parce que ben, l'idée c'était de me dire il y a peut-être des endroits plus judicieux à l'émergence des gnomes dans la mécanique des fluides. Alors j'avais ben observé l'environnement et je remarquais qu'effectivement dans les petits remous, quand une pierre dépassait de l'eau, ça générait des plissures, des pliures, des plissures de l'eau qui étaient propices à la manifestation de création de personnages. Alors évidemment, l'idée c'était de trouver aussi au fond de l'eau une pierre. Ben, ici c'est fréquent malheureusement, il y a beaucoup de gens qui jettent des tuiles dans les ruisseaux, donc on retrouve un peu ce qu'on appelle cette pollution géologique dans nos ruisseaux. On retrouve autre chose que du granit, on retrouve des bouts de tuiles qui sont comme ça lavés par l'eau. Et alors des fois, il y en a en forme de chapeau de gnome. Alors justement, je m'étais amusé à, j'avais un peu le protocole, je me suis dit, bon, là, on a vaguement un chapeau de gnome, est-ce qu'une ondine peut en faire un lutin? Alors, en réponse à ce cliché, bon. Voilà. Je fais juste une aparté sur Oui. parce qu'on a on a quelqu'un qui nous suit en direct, alors on va lui faire honneur. Elle a trouvé le moyen en fait de faire des commentaires via Facebook. Donc c'est comme ça, là je suis là depuis tout à l'heure, hein, en train de regarder sur Facebook. Donc voilà. D'accord. Alors, oui, parce que ça, c'est quelque chose que je vais commencer à installer, mais comme je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, donc je ne sais pas comment dire aux gens bon, c'est une manière, donc j'ai un iPad qui est juste à côté, et de ce côté-là, alors comme elle est là, et puis elle était là aussi hier, donc je vais lui faire honneur en lisant une partie de son message, c'est justement par rapport à l'intention, et ça rejoint un peu ce qu'on était en train de dire. Ah bah voilà, oui, je crois aussi qu'il y a des lieux qui attirent. Alors oui, donc elle dit, donc elle s'appelle Véro, Ouais, et bonjour elle Véro. dit que ce soit l'intention qui donne une image ou pas, que ce soit un écho ou pas à nous-mêmes, il n'y a pas de doute et qu'il y a des présences qu'on ressent. Voilà. Ouais. Donc ça, elle puis tant d'autres, il est vrai que nous sommes beaucoup à croire, à voir, à ressentir toutes ces choses-là. Bon, on est très peu à le dire publiquement. C'est ce qui fait Ouais, c'est sûr. qu'un travail, voire peut-être même plus le travail de Dominique que le mien d'ailleurs, qui est quand même assez, parfois très carré, très scientifique. D'ailleurs, je le fais un peu exprès. Et il faut l'assumer. Donc, bravo à toi déjà, rien que pour ça, Dominique. Donc voilà, c'était juste un. Merci. Donc, bonjour Véro, si tu nous regardes, merci de nous Bonjour. suivre. C'est toujours Bonjour. sympa d'avoir quelqu'un. Parce que bon, l'émission se met en place, l'horaire est pas forcément l'horaire idéal, mais voilà, au Ouais, c'est moins, sympa, quoi. ouais, c'est sympa, on a quelqu'un en Ouais. direct. Et elle a trouvé le moyen de nous contacter via Facebook. Voilà, je t'en prie, continue. Et alors, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'en même temps que je faisais ça, j'ai trouvé peut-être une astuce aussi pour qu'on voit le film, d'ailleurs, un des premiers que j'ai vu de toi, où on voit justement toutes ces écritures par le soleil, Oui. etc. Donc j'ai trouvé une astuce. Donc on fera exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire on fera, c'est avec le générique. D'accord, pour la Voilà, vidéo, d'accord. parce qu'en plus la musique est belle, tout. Ah oui. Ça nous fera une petite pause là. Ouais. Allez, dans 10 minutes on lance le film. Tu crois que dans 10 minutes on commencera à parler, ou à la limite ça introduira Bien les sûr, écritures, hein? dans 10 minutes, ce sera, Eh ben, c'est on super. Donc, dans 10 minutes, on lance un film. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Pour rappel, la chaîne YouTube s'appelle comment? Ta chaîne YouTube? La magie du ruisseau. Tout simplement. La D'accord. magie du ruisseau. Vas-y, je t'en prie. Oui. Montre-nous les photos et Oui. puis moi, je cale le film en attendant. D'accord.
Donc, ben voilà, donc la fameuse brique sous l'eau. Voilà que un petit chapeau de lutin, voilà, et en dessous une tête de lutin à tête de singe, je trouvais, avec les oreilles, les deux yeux. Bon, on a une petite présence, quoi, son petit manteau. Et puis à côté, une perle de lutin. J'ai appelé ça une perle de lutin. En réalité, c'est une orbe. C'est ces petits ronds lumineux qui apparaissent sur Génial. Ouais. nos appareils numériques. Et on le retrouve sur l'eau. Donc, ce n'est pas des grains de poussière. Parce que évidemment, il y a le doute des fois, hein, dans ces orbes, sur les appareils. On aura l'occasion peut-être d'y revenir un jour. Parce que j'avais fait des petits essais avec de la cendre projetée dans une pièce. Ah, Effectivement, c'est-à-dire que beaucoup. parfois tu utilises d'autres des éléments, c'est ça? Enfin, tu utilises des choses, c'est C'est-à-dire pas que seulement. Écoute, en fait, ma oui. question, c'est, tu n'utilises pas seulement ce qui se présente à toi au moment où tu prends les photos. Tu utilises parfois des accessoires, genre de la poudre, genre des trucs. Ben ça c'est Oui. pour les photos où il n'y a pas d'eau ou dans une pièce par exemple, puisque Ouais. on n'a pas d'image pour étayer, mais j'avais utilisé la poussière pour générer l'apparition des orbes. Et c'est vrai qu'effectivement, plus il y avait de poussière, donc j'avais une fois balayé une cave, j'avais pris une photo avant le balayage, il n'y avait pas d'orbe, et après le balayage, il y en avait tout plein. Mais ça n'empêchait pas qu'ils avaient une position spatiale intéressante. D'un coup, il y avait 7 orbes qui étaient empilées les uns les unes sur les autres, comme si des nains s'étaient fait la courte échelle, quoi. Donc voilà, c'est des ronds lumineux qui apparaissent comme ça sur nos appareils numériques, et qui sont... Certains pensent que c'est des entités, d'autres pensent que c'est de la poussière. Eh ben, les deux ont raison, puisque l'entité a besoin de poussière pour constituer ses orbes. Disons, c'est la conclusion que j'en avais eue sur les quelques photos que j'ai pu prendre. Alors, c'est un peu hâtif d'avancer comme ça, surtout s'il n'y a pas d'image. Mais faut faire l'expérience chez vous. Avec le flash de l'appareil, on peut très bien générer ces orbes, soit par fort temps de brouillard. Plus il y a de brouillard, plus il y a d'orbes, des fois aussi. Mais des fois, la position spatiale de ces petits ronds, comme on a vu au-dessus de l'eau, des fois bien plus nombreux, hein. Des fois se positionnent. En vrai, là, on va revenir au. Sinon, pour les éléments que je trouve, effectivement, en général, c'est brut de prise. Quand je vois un ruisseau, je mets rarement quelque chose dedans. Les rares fois où j'ai fait cette chose, c'était pour immerger le bâton avec le lichen. C'était pour le gnome à barbe blanche aussi. Et c'était aussi pour cet iris que je vais présenter là. C'est la. Voilà, une iris souriante. Ah, génial, Voilà, ouais. donc le mouvement, c'est le mouvement de l'eau qui a plié en fait cette iris. Alors évidemment, j'ai bossé chez cette personne qui appartenait l'iris, et puis j'avais demandé déjà lui si je pouvais l'accueillir, et aussi à l'esprit de la fleur. C'est vrai que comme tout était vivant, je voulais un peu me faire une idée sur cette vivance des choses. Alors je sais que c'est un peu paradoxal de vérifier la vivance des choses en le cueillant. Mais bon, j'ai vu cette fleur en fin de floraison. Et puis, je lui ai dit que dans quelques jours, elle serait fanée, mais que sur un cliché, elle pourrait vivre pour l'éternité. Alors, je l'ai cueillie, de la manière des Amérindiens qui prêtaient une conscience aux végétaux. Et voilà que, pour réponse, le sommeil de la fleur, comme ça, dans le mouvement de l'eau, va comme une origami des ondines, dessiner comme ça cette bouche, avec même la petite commissure des lèvres sur le côté. C'est là où vraiment il y a une précision chirurgicale, c'est qu'il y a une petite commissure sur le bord des lèvres, dans la position des yeux qui sont au bon endroit, et surtout, aussi ce qui est troublant, c'est qu'il y a, et là c'est récent qu'on me l'a montré, un autre visage. C'est-à-dire que, encore un effet poupée russe, la bouche de l'iris qui est endormie se transforme en l'œil gauche d'un profil qui sent un peu amérindien, vous voyez, ou momie. Je sais pas si tu le nez, les yeux. La bouche fine, on a un autre visage, bref, quoi, dans la forme. Donc, on a plusieurs lectures de cette photo. On a un peu, et moi, je trouve qu'il y a ce côté un peu vieillesse dans ce profil, hein. L'âge qui passe, la vieillesse, et la jeunesse. C'est comme si la vieillesse pensait à la jeunesse, quoi. Et un peu cette boucle bouclée dans cette photo. Là, encore, ou bien un peu un mousquetaire fleur, qu'on voit aussi, avec le Ouais, chapeau. d'accord. Donc voilà le fameux visage comme ça avec la lèvre pincée, un peu plus austère. Et je comprends aussi maintenant pourquoi. Alors des fois il y a des gamins, ils adorent ce petit personnage, mais il y a des gosses qui ont peur de cette photo. Et moi je me demande si ces gosses-là ne voient pas ce visage
un peu plus austère. Tu vois? Il est plus subtil, il est plus caché. Mais voilà, il m'est arrivé des fois d'avoir, j'ai eu des gamins qui n'avaient pas du tout cette fleur, qui en avaient peur. Alors voilà, pour moi, ça a toujours suscité, je trouve que dans son expression minimaliste, elle fait vraiment la candeur de l'enfance, quoi. Ah, on nous. Dominique, est-ce que tu es toujours Vraiment là? le visage dans sa plus simple expression. C'est presque le rond que l'on dessine, la bouche et les yeux. C'est presque des dont on a tous, on a tous finalement, dans notre enfance, un jour ou l'autre, représenté un petit bonhomme comme ça schématiquement, quoi. Et l'eau s'y est essayée par cette photo, justement, quoi. Donc on peut continuer sur Ouais. notre cliché pour finir les formes avant d'entamer le soleil. Bon, voilà, encore un personnage de l'imagerie. Voilà, donc à côté du gnome Télétubbies, je suis retourné le lendemain. Et qu'est-ce qui apparaît à la place? Ben voilà, une herbe sèche qui se dessine. Alors là, je laisse un peu le temps à Véronique de deviner Donc Véro, ce qu'il y a dessus. puisque je t'ai rendu public comme tu l'as dit, eh ben écoute, tu peux faire tes commentaires via la messagerie Facebook. Là, je suis juste à côté là avec Voilà. mon iPad. Voilà. Voilà. Ou aussi toi aussi, si tu as une. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à parler trop vite et à commenter trop vite l'image et à ne pas laisser finalement Oui, mais enfin l'interprétation après après, libre. ouais, mais Bon, en même temps, on n'a après. pas le temps, on n'a pas trop le temps non plus. Bah ouais, C'est ça, le ouais. temps, Ouais. on est aussi là pour que tu nous Oui. que On tu nous ra que tu nous va rentres la dans que tu nous raconter. fasses rentrer dans ton univers, Oui. quoi. Bref, là, c'est une herbe sèche qui se transforme en une blonde ondine. Ouais, Alors, elle est magnifique celle-là, hein. ouais. Et toujours, tu vois, un petit cœur lumineux, c'est le flash. Alors, le flash qui servait au casque-antenne du gnome Télétubbies, là, sert presque du cœur à l'ondine. Et alors, moi, je la Ouais. vois avec un sein dehors. Je la vois Ah. avec un sein dehors et je vois même le téton. Alors, je sais que c'est vraiment un détail. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait très ondinesque. On a eu un peu Junon, un peu une invitation maternelle des ondines, tu vois, comme ça, à inviter peut-être le gnome Télétubbies, quoi. Tu vois, je dirais que Alors, c'est un peu un rendez-vous manqué. Véro, elle pense à femme enceinte. Femme Elle y voit une enceinte, femme enceinte. effectivement. J'ai déjà aussi reçu comme interprétation. Oui, Ah bon, un bah petit on peu. dirait, hein. D'ailleurs, elle a. Ouais. Et puis j'allais dire ouais, exact. Ouais, dis Une femme donc, c'est. enceinte, ouais. On pourrait presque penser Ben, du même qu'elle coup. a des portes jartelles, elle presque. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Maintenant que tu le dis, exactement. Sous des Ouais. dessous, mon copain m'a dit, là, on a vraiment une jarre. Et on a aussi le triangle, non, je m'excuse, bon, le triangle plus bien, quoi. Ouais. Eh ben. On a vraiment des détails anatomiques. Je te cache pas que on est entre, oh, c'est assez oedipien, hein, finalement, parce qu'on est d'un côté, moi, j'ai quand même cette interprétation, maternelle au départ, mais c'est vrai qu'on peut la voir aussi comme femme, sensuelle. Ah, On a c'est sensualité et... très intéressant comme cliché, ouais. Parce Ouais. que quand je dis très intéressant, c'est autant le, comment je dirais, tout le haut qui est dans la, Ouais. on va dire dans la vertu, dans la beauté, dans le ceci, dans le cela. Exact. Et puis dans l'ombre, le plutôt le caché, et puis finalement, ah ouais, c'est évident, quoi. Ah, c'est fou, C'est ça. clair et c'est finalement très très ondinesque. Quand on laissait charmeuse en chantant au bord de l'eau, c'est un peu une des particularités des ondines. Elles sont quand même sensuelles. Elles sont dans le Eh dans ouais. dans dans, dans la dans, Elles aiment, apparemment, elles aimeraient susciter le désir des hommes, des humains. Oui, je le confirme. Ben, écoute, c'est, Ah ah bah bah moi, j'ai tiens. des expériences extraordinaires à côté de cours d'eau, de rivières, etc. Ben, j'imagine des chatouilles au niveau du cœur. Des petits chatouilles au niveau du cœur, non? Ah Le problème, tu vois, c'est que c'est pour ça qu'à la limite, je préfère plus m'exprimer sous forme de vidéo et de musique, Ouais. parce que c'est avec des mots, c'est même parfois, ça serait même du genre, je les vois pas, je les entends pas.
mais je sais que c'est là. Voilà. Ouais. Je sais que c'est Ouais. là et je vois de par mon, à la limite, de par même ce que je vis moi au quotidien, qui est considéré dans notre société comme quelque chose de très difficile, la raison qui fait que je continue à faire ce que je fais, c'est entre autres par rapport à ça, hein, ça c'est indéniable. Voilà, Évidemment. donc c'est pour moi, tu vois, de voir un cliché comme là tu viens de voir, là, comme tu viens de nous présenter, ça ne m'étonne absolument pas. Il y a quelque chose en moi à laquelle il est connecté, alors que je suis quand même quelqu'un de. Et puis pour le coup, je dirais que si on est, pour le coup, beaucoup plus terre à terre que les gens qui s'auto-proclament terre à terre, c'est-à-dire qu'ils nient complètement toute la partie invisible. Et ça, c'est toujours aussi très amusant, quoi. Quand le gars te dit je suis terre à terre, oui, d'accord. L'invisible, ça n'existe pas, et tous ces trucs-là, bon, c'est. Mais bon, ça, on va pas revenir sur ces gens-là. C'est malheureusement une grande majorité, et ils sont, Ah. on va dire, ils sont par la piège, c'est-à-dire ils continuent là. Puis c'est une forme de protection, hein, de pas vouloir croire ce genre de choses-là, parce que si on commence à prendre en plus ce qui est invisible, visible, bon. Puis il faut faire des, il faut qu'il y ait une sensibilité qui est quand même aussi intrinsèque, qui est quand même vachement. Faut qu'on soit ouvert, faut qu'on soit développé aussi à ça. Hein. Enfin, je veux dire, potentiellement, on peut tous le faire, mais ensuite, c'est un entraînement. Hein, c'est. Puis il faut tout de suite. Bah, j'y crois, quoi. Ça me. Moi, je pense que depuis le départ, et puis j'imagine que depuis tout à l'heure, quand tu nous parles, hein, c'est logique. Hein, c'est logique que ça puisse exister. Pourquoi pas, finalement. Alors, je vais te proposer de faire une pause. Oui. Et puis, on va voir. Pour introduire le sujet, comment dire, puisque, alors je fais mes manips en même temps. Ah, il y a Bon, quelque chose disons qui s'est. que c'est vrai, Attends de voir. j'avais une dernière. Ah. Oui, vas-y. Bon, pour vraiment clôturer sur les ondines, j'avais un dernier cliché particulier. Ah, bah vas-y, 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 vas-y. Mais c'est pas de la photo d'eau, mais c'est au bord de l'eau. Ok. C'est au bord de l'eau. Et c'était une cliché particulier, un cliché particulier. Et puis, alors, je vais te dire une chose, là, en train de te regarder à mettre tes photos, je trouve que c'était le meilleur moyen, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que là, Ouais. on voit la souris, on voit, tu peux zoomer, Ah, dézoomer. d'accord. Je trouve que c'est encore Ouais, beaucoup et plus puis. clair. Donc, finalement, ça, c'est le hasard, entre guillemets, a très bien fait les choses, Ouais, une fois de plus. c'est super. Ouais. Voilà, donc, Oh, alors ça génial! c'est une dame d'encens. En encens, c'est de l'encens. Alors, c'était le dernier jour où alors, je suis allé au Poupalafels. Alors, on le verra ici. Voilà le Poupalafels. Ouais, très intéressant. Alors, Ouais, quand on voit sa forme, ouais. et en fait, les feux moches, je ne sais pas depuis quand, mais au moins depuis 200 ou 300 ans, aller à cet endroit pour demander enfantement. Et c'est vrai, quand on voit ce mince filet, moi je vois une grande vulve, hein, géante, tu vois, presque un utérus derrière. Il y a quelque chose de très maternel, il y a quelque chose de très féminin dans cette forme, et finalement de très comment appelle-t-on ça, de De quoi? Dominique, on t'entend plus. C'est les joies du direct. Alors, Dominique, es-tu là? encens qui Dominique, brûle. on t'a pas entendu là. Si tu Ah, on m'a réécoutes, pas ça entendu? prend au moins 20 secondes. Et là, maintenant, tu m'entends? Là, je t'entends, oui. Oui, voilà. Non, je disais, au sujet du Poupalafels, c'est la roche au bébé. Tu m'entends, D'accord. hein? Ouais. Ouais, les femmes allaient, en fait, depuis la nuit des temps, demander un enfantement à la cascade. Et c'est vrai, quand on voit cette forme très utérienne, très féminine, voilà, comme deux lèvres d'eau, quoi, qui s'écoulent. On a vraiment cette connotation de fertilité, de utérus de Gaïa, en gros, quand on arrive devant, quoi, peut-être. Et j'imagine très bien, même les femmes druides, hein, j'imagine que les légendes étaient un peu plus anciennes, mais instinctivement, on peut imaginer faire une requête sans avoir de, je veux dire, si on part du principe que la vision des anciens, ben, voyait, dans les formes des expressions ou des intentions de l'invisible, là on peut imaginer, voilà,
une intervention de cette fameuse dame de la cascade qui est en train justement de lire, ben, je disais, la liste de toutes les femmes qui ont fait la requête à côté de la cascade, justement. Alors, voilà, une fumée dansant. Il est utile de rappeler d'ailleurs à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous écouteraient et qui nous écouteront, c'est que le mot eau vient du vieux français Eve qui veut dire Ève. Hein. Ah, Toujours utile de le d'accord. rappeler. Ah, c'est pas mal. J'ignorais. Et puis quand tu vas un peu plus loin, le mot eau a la même sonorité que la lettre O qui est un rond, donc en arrondi, etc. En fait, c'est pas pour rien que c'est au niveau de la forme que les femmes et l'eau sont liées. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour finir la cascade du couple Lafels. Et puis, on peut revenir sur, voilà. Alors, est-ce que, par contre, moi, tu vois, j'ai du mal à revenir en, comment dire, en, non, faut juste que j'appuie sur partage d'écran. C'est bon. Voilà. J'ai compris. Donc, Eh bien super, eh bien maintenant ce qui va se la petite passer c'est pause. que eh ben, on va pour introduire les prochains clichés de Oui. Dominique, qui sont des comment on pourrait des écritures solaires sur Oui. l'eau, Oui, j'ai etc. appelé ça les aquaglyphes. Les aquaglyphes. L'écriture Alors, des ondines. Enfin bon, ok. on le lira dans la vidéo. Ouais. Alors en plus la musique est vraiment très belle. Enfin en tout cas j'espère que vous allez écouter. Pouvoir entendre la musique, parce que je sais même pas si on va entendre la musique, mais en tout cas, vous allez voir par ce partage de vidéos, un exemple du travail de Dominique, et on revient juste après la vidéo pour que Dominique nous donne des éléments de réponse par rapport à ce qu'on a vu et ce que lui a compris, puisque comme il les a photographié, trié et interprété, il en sait peut-être un tout petit peu plus par rapport à nous et notre premier regard. Voilà. Alors, je cale la vidéo.
Voilà, comme tout à l'heure. Voilà. On a plein d'outils Mais sur Google, mais bon. tiens, c'est par contre, moi, ce qu'il y a, c'est que tout d'un coup, ça rame, tu vois. Y a une, comment dire? Attends, voir, je vais partager l'écran. Impossibilité de, si, si. Voilà, je lance. Désolé pour le. Voilà. J'attends de rejoindre le. Ah ben, Internet Explorer a cessé de fonctionner, tu m'entends encore? Ouais. C'est étonnant. Eh ben voilà, je crois que visiblement Dominique nous a laissé. Mince. Il est là. Vous êtes en Rodolphe? direct. Ah, si, Ouais. si. C'est bon? Non? Oui. Suis là. Ouais, c'est Bon, bah, il est là. En bon. direct, hein, Mais il y avait le, comment dire, un sur bug, Stellantis Live. un petit, voilà. Vas-y, je t'en prie, continue. Voilà. Désolé. Voilà. Donc, est-ce qu'on voit la photo que, on voit la première photo? Non? Ah, bah, tiens. Voilà, partager, partager l'écran. Ah, c'est ballot. Voilà. Voilà. Parce que, donc, ça, c'est donc le, les fameuses trouées On voit pour rien là. le. Ah oui, ça y est, c'est bon. Ouais. Voilà. Les fameuses trouées à travers les arbres, et puis ces ronds lumineux sur l'eau. Bon, là. Ah, mais là, qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends? Ouais. Je t'entends, mais avec difficulté, hein. Ouais, parce que j'ai une musique qui s'est mise en route là. Bah, c'est incroyable. Tu entends la même chose que moi? Voilà. Moi, je n'entends Voilà. pas de musique, hein. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Moi, j'avais de la Je musique. rappelle à ceux qui nous prennent en cours, C'est les qui aléas nous prennent en cours de route, hein. Nous de l'informatique. parlons à propos d'un sujet très mystérieux, car ce sont un peuple invisible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il s'agit de travailler sur ce sujet-là, eh bien, souvent il nous arrive des petites bricoles techniques. Après, il n'y a pas besoin de travailler sur ce sujet-là pour avoir ces petites bricoles techniques, mais en tout cas, bon, moi, je suis toujours très à l'affût quand j'évoque ce sujet parce que il m'est arrivé quelques petites farces. Et voilà. Et ils aiment s'amuser avec l'électronique, avec tout ça, donc voilà. Oui. Ah, je confirme. En fait, ils s'amusent de nos coups de gueule après l'informatique. Pour eux, la colère est abstraite. Et les lutins trouvent ça vraiment d'un cocasse quand un humain s'énerve. Donc, ils plantent les choses. C'est vrai que depuis que je bosse avec les gnomes, j'ai jamais perdu autant de choses. Donc, c'est un peu. En même temps, on travaille sur ça, on travaille sur soi avec eux, quoi. C'est vrai. Donc, maintenant, je vais réussir peut-être à passer, voilà, enfin. Est-ce qu'on le voit? Voilà. Là, c'est bon, ça revient. L'écriture des ondines, donc, sur l'eau. Ouais. Ça revient. Alors, voilà une écriture, voilà, d'origine. Ah, imaginez une. Il y a Véro qui dit quelque chose Il y de... avait. Allô? Oui? Tu m'entends, Dominique? Oui, je t'entends, oui. Ouais. Ah Oui. ben, on va continuer. Il y a Véro aussi qui dit quelque chose là, qui est en direct, qui effectivement, le peuple invisible veut le rester, tout à fait. Ouais. Alors, Donc là, tu nous montres quoi là? je vais. Les clichés sur l'écriture solaire là, non?
C'est ça, que je tente de mettre en. C'est quand même Tu n'y arrives incroyable. pas là? Ben, avant, j'ai réussi. J'ai coupé pour te ravoir en visu. Et puis, du coup, ça. C'est étonnant. C'est vraiment. Ça me rappelle. Tu sais, j'ai Windows. Tu sais, Windows est touché du syndrome du. Ah, CMPH. C'est ce que ça veut dire? Non. Ça marchait pourtant hier. Le truc classique, quoi. Donc voilà. Donc, tu vois des. Ah, voilà. Bon, bah super, ouais. Tu vois les. Voilà. Ben voilà un aquaglyphe. Je comprends pas cette écriture, mais quand je la vois, tout suggère une intention, quoi. Des points, des courbes, on dirait un sabot. Deux points, une petite porte qui passe, un, deux, trois. Bon. Bah, le premier étonnement quand moi je vois ça, c'est l'alignement. Déjà, l'alignement, voilà, qui sous-entend vraiment exact qu'on passe à la ligne suivante et que chaque sigle aurait été placé, chaque pictogramme, dans une logique ben, sur la même ligne. Voilà, exact. On a vraiment cette impression de, aussi par le choix judicieux de l'eau, donc cette plissure d'eau, qui donc il y a une pierre à gauche qui va dépasser, un mince filet de soleil, ben vraiment, c'est vraiment une obturation. C'est-à-dire que c'est plus il y a de soleil, plus il y a d'écriture, mais aussi plus c'est confus. Donc l'idée pour avoir quelque chose d'intelligible, d'interprétable, c'est d'arriver à un endroit où il y a le moins de soleil possible pour avoir ben voilà ce genre de cas de figure, quoi, de vraiment l'impression d'une écriture, quoi, avec ben, toute une série de. Alors, je me suis un peu, j'ai essayé d'interpréter. On a déjà le symbole de l'infini en haut, le 8, hein, au-dessus de l'eau. C'est aussi un peu le symbole de l'eau, j'ai appris récemment, parce que l'eau, même en s'écoulant, elle fait souvent des 8. Donc on a l'infini de l'eau. Ah oui, c'est ce que tu as remarqué. J'ai remarqué, oui, que bah, des 8, c'est dommage, je ne les ai pas placés ici, mais j'ai recensé comme ça avec le soleil des dizaines et des dizaines de 8. Parce que Diverses. le 8 aussi symbolise l'univers. Hein. Symbolise l'univers, symbolise l'hémiscate, Ah oui. puis l'infini, quoi. Et voilà, ensuite là, Et comme le 8, si on peut continuer, ouais. c'est deux O. Ces deux hauts aussi, ouais, collés côte à côte. Et puis voilà. Alors, ben, il y a une personne m'a dit que ce caractère ressemble à du chinois archaïque, par exemple. Là, vraiment, on a des ressemblances avec des écritures anciennes. C'est un cliché. Donc ici, évidemment, ça m'a vraiment fait penser à l'écriture extraterrestre, quoi. Je trouve, je verrais bien ça sur les parois d'une, enfin, extraterrestre ou humaine, quoi. Mais bon, on peut après imaginer plein de choses. Alors, voilà encore une signature du soleil qui se dessine. Un personnage, enfin personnage. Moi, je voyais une ondine accroupie en train de tenir une autre qui va plonger. Là, en regardant, quoi. On dirait un petit peu un Hank. Voilà encore le Aleph, hein. À l'origine, le Aleph était une tête de taureau dessinée et plus tard, en fait, retournée, allait donner naissance à la lettre A. Donc, on a aussi sur l'eau une genèse de l'écriture. Encore une fois, un Aleph. On retrouve encore cette tête de taureau. Là, encore un Aleph. Donc, Aleph, le Lamed aussi, on retrouve fréquemment. En écriture cananéenne. Là, le cycle d'avant, très complexe. Hein. Donc, à un certain temps, elle dessinait sur papier. Et aussi un petit bougeoir. Ah, alors, dans ces cas-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'espère que Dominique va nous rejoindre. Pendant ce temps-là, je vais vous donner, parce que je viens de retrouver la couverture de son livre. Voilà. Donc, vous pouvez... retrouver donc Dominique Kubler avec comme vous l'avez vu eh bien à travers ce livre où il y a ben 5 ans de travail
Ouais, et comme il nous l'a donné à voir, ah, le revoilà. Voilà, le Ah, tu m'entends? revoilà. Voilà, Ouais. désolé. Écoute, je sais pas, j'ai commenté, commenté, alors je sais pas où ça. Bah écoute, en tout cas, j'étais en train de montrer la couverture de ton D'accord. livre. Voilà. Donc, La magie du Merci, ouais. ruisseau. Si les gens sont intéressés, faut qu'ils te contactent à ton email, tout Mon simplement. adresse mail, tout simplement, et puis j'envoie le livre, et puis à la réception du livre, ils peuvent me régler ensuite, quoi. Voilà. D'accord. Eh bien, et ton email, c'est. Pub Ondine, ben comme KUB, OK. KUB, Ondine, @gmail.com. OK. Voilà. Donc pour tous les gens intéressés, donc on va poursuivre. Il nous reste encore à peu près Ouais, une demi-heure une d'émission. demi-heure. Ouais. Mais, ouais, mais bon, j'en étais où alors avec les aquaglyphes? Ben, tu nous montrais toutes les écritures Ouais. près de la avec Ouais. voilà D'accord. avec la ah ben voilà alors là on a. Alors là, on a toute la page. Mais justement, alors on en était ou à Aleph déjà ou à ici, à l'œil? Non. Tu m'entends toujours, hein? Ouais, je t'entends toujours, ouais. Voilà, bon, voilà une écriture hein, particulière. Ça ressemble un petit peu à une signature. Alors, une signature, un sigle, bref, on peut avoir diverses interprétations. Là, l'œil. Un œil. Au-dessus de l'eau, encore par le soleil. Là, un émoticône ondin. Par contre, si tu pouvais le mettre en plus grand, ça serait. Ben, là, c'est des découpes. Ah, d'accord. C'est des découpes. Donc, tu vois, elles sont pas. Là, qu'est-ce qu'on peut lire le soleil? Ben voilà, le soleil se met aussi, des ondines se mettent aussi à la page. LOL. LOL. Bon. Mais t'es où là? Je vois pas moi. Tu vois pas mes photos? Si, je les vois, mais je vois pas de quoi tu parles. Hein. Ah, ici en bas. LOL. Tu Ah vois? oui, d'accord. Bon, c'est D'accord. tiré un peu par les cheveux. Non, bah écoute. Sinon, alors. Alors, je voudrais vite en revenir quand même. Il y a un dernier truc intéressant, c'est-à-dire qu'on a vu avant, je voudrais pas, qu'en est-il de l'eau polluée? C'est-à-dire que, jusqu'à présent, on a vu le gnome jaune souriant, le gnome Télétubbies, pareil, sympathique. On a aussi un autre, là, le gnome Casimir. C'est donc, deux bulles qui lui font les narines. Ouais. Alors, qu'en est-il des eaux qui sont, polluées? Alors, Est-ce que tu peux revenir là, s'il te Oui, plaît? pardon, pardon, pardon. Voilà, ok. Ok, je reviens sur Voilà, super. partage. Voilà. Je voudrais juste montrer une petite photo encore sous les formes, parce que c'est vrai que j'ai essayé pour l'instant de prendre que des eaux propres, et des visages souriants apparaissaient. Et sur une eau polluée, voilà. Alors ça, c'est une eau qui a coulé le long d'un vignoble. Tu vois, Est-ce que tu peux. chargée. Non mais Dominique, est-ce que tu peux le mettre en grand s'il te plaît? Oui, C'est trop petit. mais je l'ai mis en grand. Non, non, là on est sur la fenêtre où il y a toutes tes photos là. D'accord. Alors, je vais revenir. Voilà. Voilà, super. Voilà. Ça, c'est donc un vignoble avec une eau polluée par les insecticides, ou engrais, quoi. Et qui allait se jeter dans cette fontaine. Donc, chargée de preuves d'un fort taux de nitrate dû aux engrais. Il y a plein d'algues qui vont même Ouais. escalader la fontaine, quoi. Et à la surface, j'ai pris qu'un seul cliché. Voilà la surface de la fontaine. Voilà la tête qui apparaît là. Voilà. Plus étrange. Donc, pour pas parler de négatif ou de positif, on va dire que dans la vibration, du moins la conclusion que j'ai tirée, c'est que dans une eau, il y a des êtres en affinité avec la vibration du lieu. Je Tu vois? comprends, ouais. Donc c'est pour ça que moi. Toi, Emoto, je te dis franchement, moi, je me suis dit, c'est vrai que c'était réducteur de dire le gentil monsieur à un beau glaçon et ainsi de suite. C'est vrai que c'est, comment dire, c'est une manière de voir. Mais moi, je me demandais si l'eau n'était pas un support d'information, justement. Un support d'une forme de mémoire. Alors, aussi, pour parler en parallèle des ondines. Donc moi, je me dis en fin de compte, Emoto, quand il a fait son expérience, c'est sa propre intention qu'il a mis dedans, tu vois, et qui a changé la structure de l'eau. C'est-à-dire que je pense quoi, que c'est
En mettant de la musique classique, ou je sais pas. Enfin, après, il y a aussi, enfin, je veux dire, encore, faut être précis, hein, surtout quand on parle du Kaemoto, c'est que il y a une autre chose. C'est-à-dire que là, par exemple, toi, quand tu fais, moi, quand je prends mes images, ou toi, quand tu fais tes images, bon, bah, c'est vraiment nous qui avons créé cette image. Il faut savoir que Monsieur Emoto, peut-être qu'au début, c'est lui qui, avec son microscope, faisait obtenir D'accord. les cristaux. Mais il faut savoir que Monsieur Emoto travaille avec une équipe. Alors, D'accord. c'est là où je trouve ça extraordinaire, c'est que ces mêmes gens qui nous disent que Emoto arrive à prouver grâce à ses expériences, alors que Monsieur Emoto n'est pas scientifique, Scientifique à la et qu'en base. plus, ces mêmes gens qui utilisent Emoto pour nous dire que l'eau a des pouvoirs, tatatiata, ou qu'il y a, je dirais, une interaction entre la pensée et l'eau. Donc, l'eau liquide, sous l'effet ou sous l'influence d'un mot, d'une pensée, comment on peut m'expliquer l'équipe de Monsieur Emoto qui arrive à en sortir un cliché? Ouais, là, C'est-à-dire faut. que c'est influencé par la pensée à l'état liquide. Ensuite, on la congèle et ensuite, par miracle, quand elle est. Donc, il faut quand même savoir qu'en plus, on nous parle de vivant en prenant des choses qui sont congelées. Donc, bon, ça aussi, c'est encore une autre histoire. Mais disons que là, le cas de cette expérience avec Nasoro Emoto est quand même un peu bizarre. Ben, Parce qu'il ce. n'est pas tout seul à travailler. Mais effectivement, moi, je valide complètement ce que tu dis. Je t'ai fait voir un jour un film que j'avais fait, tu sais, où on voit cette tête fantastique sortir de l'eau. J'avais fait un Oui, arrêt sur image. c'est Bon, saisissant, ben, voilà, regard. moi, que j'avais pas du tout fait exprès. Et c'est chacun y a vu ce qu'il avait envie d'y voir ou ce qu'il a voulu y voir ou l'intention qu'il avait. Et moi, je l'ai. Ce que j'ai vu, forcément, il y avait l'intention derrière. Enfin, c'était moi et j'ai pas dit aux autres non, ce que vous voyez, c'est plutôt ça et c'est pas ce que vous voyez. Voilà. Donc l'intention et de savoir que l'eau a une mémoire, c'est pas. On est sur ce podcast-là, on peut le dire, oui. Après, de le confirmer, c'est toute la difficulté de l'eau qui est tellement complexe. Tellement complexe, et puis évidemment, les interprétations encore. Bon, si tu veux, moi c'était pour rebondir sur un cliché que j'avais pris particulier, tu sais, pour continuer sur les aquaglyphes. Tu m'entends toujours, hein? Oui, bien sûr, ouais. Ah ouais. Parce que quand c'est silence, j'entends rien. Enfin, disons, y a rien qui me laisse entendre que tu m'entends, quoi. Et donc, il y avait justement une photo. Pareil, là, on a vu donc dans une eau polluée, ce visage, on va dire, moins sympathique, apparaître avec ses deux yeux en bille. Alors, dans un autre lieu, avec un ami, bon, c'était pas par voyeurisme que je suis allé sur les lieux, c'était pour un travail avec un ami chaman qui était allé au Kolschlag, donc c'est un endroit près de la ligne Maginot, en Alsace, près de chez moi, et on allait au Kolschlag où il y avait des bunkers le long du chemin. Et à côté, il coulait un ruisseau. Et en face de ce bunker, toujours dans l'esprit, que va restituer finalement l'eau à côté d'un endroit où il y a eu des tensions il y a très longtemps. Alors justement, ça rejoint encore cette hypothèse de la mémoire de l'eau, où l'eau vectrice d'informations. Voilà. Voilà, donc cette photo au-dessus de l'eau. Et là, moi, j'ai vu clairement non seulement un pistolet, mais j'ai pu donner la marque, un Luger allemand avec 3 balles. Alors, c'est fou parce que cet ami chaman était justement avait été appelé sur les lieux par ses guides pour faire, je sais que ça paraît un peu science-fictionnel ce que je vais dire, mais pour faire monter les âmes des soldats qui n'étaient pas montés. Voilà, en l'occurrence, il y avait peut-être un soldat allemand qui devait nécessiter un passage dans l'au-delà, et puis qui s'est peut-être été tué ou voilà, un furieux écho de l'eau près d'un bunker, un Luger allemand, quoi. Donc, c'est sûr, c'est pas aussi poétique que les ondines, mais ça démontre encore une fois, enfin, ou ça montre encore une fois cette interaction en fonction du lieu où on est, de ce qui s'est passé. Il y a des mémoires dans le, enfin, voilà, encore une fois, l'appareil photo permet pour moi,
m'a permis de me dire, bah tiens, avec ce travail de cet ami chaman, c'est curieux de retrouver quand même. Il était venu pour ça justement parce qu'il y a eu violence à cet endroit, des âmes coincées. Donc peut-être que c'est un écho du soldat hein, qui est peut-être à côté, quoi, par matin Alors, à soir. moi, je vais apporter je vais aller dans ton sens en apportant en disant que c'est possible et pourquoi. Et en même temps, puisque je t'interromps, c'est que les gens qui nous regardent actuellement, si vous voulez poser des questions en direct à Dominique, profitez-en. On est encore ensemble 25 minutes. Bah, Véro. Tu sais comment faire, hein. Tu Ah, tu renvoies ta renvoies question bien via sûr. Facebook. Et puis, bah, pour les deux autres, bah, vous faites tout simplement la même chose que l'autre ami qui est en train de me suivre. Et vous allez sur Facebook en considérant que vous avez un compte Facebook. Donc, soit vous allez sur Facebook et vous tapez Facebook, vous cherchez Rodolphe Forget et vous posez une question à Dominique, soit vous envoyez tout simplement un email au podcast, à l'email du podcast, au.séance.elive.mensuel.gmail.com. Voilà. Je sais pas si tu connais la technique des constellations familiales. Oui, sur Et dans les le oui. constellations, il faut, à un moment donné, ce qui est assez extraordinaire, moi je suis toujours épaté, parce que même parfois, à la limite, ça peut m'arriver. Maintenant, ça devient quand même de plus en plus rare, puisque tous les jours, je réfléchis à la question. Nous sommes de l'eau. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand on dit l'eau, à quoi on pense? Malheureusement, exactement un peu comme le monde invisible des ondines et des fées, on a du mal à relier les choses les unes aux autres. Et l'eau, quand on parle de l'eau, donc comme je l'ai dit avec ce peuple-là, on a des idées reçues. Voilà. Donc l'eau, généralement, c'est de l'eau liquide. Ben non. L'eau n'est pas seulement liquide, elle est solide, elle est gazeuse, mais elle est aussi ce qu'on appelle, et c'est quelque chose que sur laquelle j'informe grâce à mes amis du scientifique comme Marc-Henri par exemple, que l'eau, nous sommes nous de l'eau interfaciale. Voilà. Donc nous avons une mémoire qu'on appelle l'ADN. C'est nos scientifiques qui nous le disent. Et l'ADN ne peut pas fonctionner, même si dans la plupart des livres de médecine, de biologie, on oublie, pour faciliter la tâche, on ne met pas l'eau dans les schémas quand il s'agit d'ADN. Sauf que le problème, c'est que s'il n'y a pas l'eau, qui est une sorte de gaine qui permet le travail de l'ADN, qui permet à l'ADN de garder toute sa mémoire, sans l'eau, ce travail-là n'est pas possible. Voilà. Donc, à un moment donné, nous sommes de l'eau, nous vibrons comme de l'eau. D'ailleurs, moi, je le vois, je comprends tout ce que je peux comprendre grâce à mon contact et à mes observations directes, comme tu le fais d'ailleurs, Dominique, avec l'eau liquide, avec la nature non humaine, mais c'est aussi avec la nature humaine, c'est-à-dire en dansant. Voilà, je danse avec des, avec des, avec et en l'occurrence, en plus, avec des femmes. Je danse avec des femmes. Donc, ça de. Et. Ah. Ah, c'est figé là de mon côté. Voilà. Oui. Alors ça c'est Amandine qui est jalouse. Entre deux personnes. Ouais, Faut pas parler des, faut pas parler des femmes parce que les ondines. Ah, t'as le même problème? le même problème, c'est incroyable. Je te raconterai. Bon, je sais pas si on peut se lâcher ici ou dans la prochaine, mais c'est des trucs de. C'est dommage. Faut que je retrouve une photo qui est plus que probante. Moi, par exemple, je peux te dire que si tu veux, on pourra terminer sur ce sujet-là, parce que moi aussi, j'ai quelques anecdotes, des anecdotes. En tout cas, je sens que. Bon, je termine sur mon idée, puis après on peut en parler. Et le truc passe, et là je vois que Véro est en train de parler, mais là faut que je reste sur mon idée, Véro, et puis je regarderai tes questions pendant que Dominique répondra. C'est que
En fait, il y a une alchimie, enfin, je ne veux pas dire une alchimie, mais il y a un fluide qui passe. On dit bien, je suis sur la même vibration que toi ou pas, quand on s'entend bien avec une personne ou quand on s'entend pas bien avec une personne. Et en fait, je me rends compte qu'on reproduit tout simplement, ben, tout simplement ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire être nous-mêmes, et être nous-mêmes, c'est déjà être de l'eau. Voilà. Mais on a appris que l'eau, c'était H2O, ce qui est faux. Là encore, je vous demande de regarder un peu sur la chaîne Océan Sea Life pour vous montrer que toutes les vidéos que je fais avec cet ami scientifique Marc-Henri, qui est chimiste à l'Université de Strasbourg, les scientifiques eux-mêmes savent que l'eau n'est pas seulement H2O. Et pourquoi l'eau n'est pas seulement H2O? Parce que H2O, ça voudrait dire qu'elle est isolée. Alors que non, l'eau ne peut fonctionner qu'en étant reliée. Donc c'est là où on retrouve tout ça, c'est-à-dire que nous sommes tous des liens, on est tous reliés les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'on est de l'eau, la vie c'est de l'eau. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à regarder autour de soi, pas seulement de l'eau liquide, mais quand on mange, quel est le point commun de tous les êtres vivants, sinon d'être constitué en majorité d'eau? Et d'eau interfaciale, c'est un nom, c'est le quatrième état sur lequel on ne parle jamais. Ben voilà, il y a plein, plein, plein de choses que nous ne connaissons pas. Donc, j'ai envie de te dire que, par exemple, les constellations familiales, je ne vais pas développer les constellations familiales aujourd'hui, mais ce que tu m'as expliqué par rapport à ton ami chaman qui a été faire ce qu'il a été faire pour ces soldats, ben, ce que moi j'ai retrouvé dans les constellations familiales, chose que faisait... Des ancêtres, hein. C'est une vieille méthode qu'utilisaient les ancêtres, alors peut-être pas européens, mais africains et amérindiens. Tiens, tiens, bizarre, la coïncidence. Eh bien, on partait du principe que tout était relié, toutes les situations, qu'il n'y avait pas des méchants et des gentils d'un côté, et surtout, et c'est là où ça me fait plaisir, évidemment, de te le dire, c'est que on n'était pas dans le jugement permanent. L'être est toujours plus haut que ses actes. Et tu remarqueras que le point commun que nous avons dans notre société, c'est qu'on réduit toujours, toujours, toujours l'être à ses actes. Voilà. Et l'exemple d'Hitler est un très, très bon exemple parce que les gens il y a certaines personnes qui sont dans des associations soit de racisme, d'antiracisme, soit des droits de l'homme, qui, quand tu les entends parler, mettent toujours l'homme, enfin l'homme, l'être humain, toujours en premier plan. Puis quand il s'agit de parler des salauds officiels de l'histoire, ils en parlent comme si c'était pas des humains. Enfin, je veux dire, ils ne s'aperçoivent même pas du discours contradictoire de leur propre, comment dirais-je, de leur propre propos. Voilà. En tout cas, toujours est-il que je trouve ça cohérent. Voilà. Et que nous soyons en communication avec l'eau liquide, ce n'est que normal. Voilà. Et aujourd'hui, on vit dans nos villes. Et il faut quand même rappeler, et je terminerai par ça, parce qu'il faut quand même que je te laisse parler. Moi, on m'entend assez, mais il faut quand même savoir que si on reste en ville, c'est grâce à l'eau. Imaginez 2 secondes qu'il n'y ait plus d'eau. On pourrait plus. Comment on ferait pour aller aux toilettes? Comment on ferait pour boire? Comment on ferait pour faire à manger? Et surtout, comment on ferait pour rester dans quelque chose de sale? Parce qu'il faut quand même souligner que sans l'eau, on ne peut pas nettoyer. Et imaginez une ville sans propreté. À mon avis, on reste pas beaucoup et on le voit d'ailleurs quand les éboueurs font la grève, c'est intenable. Voilà. Donc c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on doit à l'eau notre présence dans la ville. Tout est lié. C'est comme ça. Donc voilà, je vais rajouter, sinon que merci de m'avoir invité. Mais raconte-nous, on va terminer comme ça. Je regarde à poser une si Véro a question. une question, mais Ah oui, raconte-nous. on voulait terminer des anecdotes, tu dis Ah oui, c'est plutôt drôle ça. un peu cocasse, quoi. disons que je travaillais, tu sais, je fais souvent des petits jardins chez les gens, quoi. Et il m'était arrivé
de faire du jardinage, c'est chez une dame d'une cinquantaine d'années, assez, assez ravissante. Et c'est vrai que elle a, comment dire, comment expliquer, elle venait habillée avec un joli décolleté, et c'est vrai qu'elle venait souvent un peu me chercher, me taquiner quand j'allais faire le jardin. Elle venait souvent dans des postures un peu équivoques, quoi. Et le jour où elle allait trop loin, du moins pas à mes yeux, mais visiblement aux yeux de Londine, elle était venue vraiment en se penchant sur moi. Et au moment où elle se penche et que je regarde ses seins, c'est au moment où j'ai vu ses seins et que j'ai eu un petit émoi au fond de moi, qui a eu la bassine qui est tombée dans la cuisine avec toute l'eau dedans. Elle a eu 2 heures de... En fait, l'eau, elle m'a dit, on dirait que l'eau a grimpé le long des murs, elle est partout où il fallait, quoi. Donc, elle a passé 2 heures à nettoyer. Et du coup, j'ai pu passer 2 heures, ben, sans qu'apparemment, elle soit à côté. Et puis, je me suis dit, c'est curieux. Alors, après, je suis allé au bord de l'eau. Alors, je sais que bon, on a un public adulte, majeur, mais j'ai pas la photo ici. J'ai pris avec le flash de l'appareil une photo où on a, ben, un sexe masculin avec les bourses, tout, et un réchaud en dessous. Donc, je me suis dit, voilà, ça chauffe, ça chauffe. Bon, il faut que je te retrouve. C'est dommage. Il aurait fallu que je puisse rebondir avec vraiment la photo. Mais c'était plus qu'équivoque, quoi. Et là, je me suis dit, ben, apparemment, les ondines sont jalouses. Ben, un autre exemple, ben non, qu'est-ce qu'il y a encore comme, bref, ça reste dans cette lignée. Ben, une amie chez qui je vais, ben, pour déposer les photos des ondines dans sa boutique, le jour où je viens avec les photos, il y a la cave, les tuyaux qui pètent à la cave, il y a l'eau dans la cave, quoi. Encore. Alors je me suis dit, tiens, c'est curieux. Pourtant, Londine devrait être contente vu qu'elle affiche les photos. Mais bon, à l'époque, quand j'étais assez proche, donc peut-être qu'il y avait aussi cette proximité. Mais j'ai remarqué que c'est vrai que depuis que ben, j'ai un lien avec une Londine, parce que c'est vrai que je me suis, bon, je l'explique dans le livre, je me suis fiancé avec une Londine, hein, ce 14 février, parce que ben on sait que c'est pas juste un acte poétique ou juste un exercice de conte, mais qu'il y a aussi derrière, vous savez, Rudolf Steiner disait que quand une ondine, un élémental est connu, reconnu ou elle se manifeste à un humain, c'est pour aussi gagner l'éternité. Je sais que ça paraît dingue, il passe dans un autre cycle d'évolution. En fait, l'union d'une ondine et d'un humain octroie à l'ondine des jambes dans la vie future. Alors, je sais que ça paraît dingue, mais elle pourra entamer des incarnations humaines. Il y a des élémentaux qui veulent quitter leur règne élémentaire pour entamer la fabuleuse aventure de l'éternité humaine. Et ça, c'est là où justement le lien qu'un élémental lui importe, c'est que c'est d'une part s'ils se manifestent pour se faire connaître, évidemment, pour qu'on respecte leur environnement, mais aussi dans ces liens-là, il y a comme dans les contes, on disait que ben voilà, quand une ondine est mariée avec un humain, quand on voit les jambes lui pousser, c'est pas juste un exercice poétique ou une métaphore, c'est une réalité apparemment métaphysique, et qui fait que on a quand on prend un homme en photo, et c'est voilà pourquoi il y a souvent cette récurrence de l'éternité aussi. J'ai souvent eu le visage d'une ondine avec le 8 dessiné. J'ai pas voulu l'étayer dans cette interview, me disant que c'était peut-être trop loin ou trop barré, comme on dit, quoi. Mais voilà, j'avais souvent le 8 dessiné. J'avais souvent cette aspiration de l'éternité d'une ondine, enfin, cette union avec une bague. Des fois, il y avait des connotations entre la bague, le cœur. Des fois, la poire lisse se dessinait en un anneau qui s'entrelaçait. Enfin, à l'heure actuelle, je sais qu'il y a des ondines, des élémentaux qui, par le biais de la photo, par le biais de la reconnaissance, par leur contact auprès d'un médium ou d'un chaman, peuvent continuer leur cycle d'évolution pour devenir, pour quitter finalement leur règne élémentaire, et pour rentrer j'allais dire, dans l'incarnation humaine, quoi. Voilà pourquoi on peut encore retrouver, mais je sais pas, quand on dit des fois quelqu'un il a l'air un peu gnome, c'en est peut-être un, ou alors qu'il a un côté ondine ou comme ça, c'est peut-être une ondine, on ne sait pas. Bon, c'est la surprise, quoi, en fonction des... Alors là, donc rêve ou réalité, légende ou fiction, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors bon, c'est vrai que de parler... Cette métaphore avec l'eau, c'est un peu paradoxal, mais c'est voilà, je pense qu'il y a des raisons. Moi, je pense qu'il y a des petits mystères derrière qui sont pas faux dans certains écrits anthroposophiques, surtout Rudolf Steiner. C'est très compliqué à lire. Voilà pourquoi j'ai lu que des petits fragments, hein, parce que j'ai vite décroché.
C'est, ça demande quand même une compréhension particulière. Mais il y a d'autres écrits aussi, hein, qui vont dans le même sens. Hein, il y a, bon, j'ai pas de bibliographie en tête, mais sur Internet, on trouve assez, en tapant élémentaux, on trouve assez de renseignements sur le sujet. Voilà, donc, tu avais aussi une anecdote sur les ondines et leur... Bah, écoute, j'aurais pas une anecdote comme toi. Alors peut-être parce que j'en ai vécu pas mal et que je sais pas, j'ai jamais eu l'impression que c'était une ondine qui me faisait un coup, tu vois. Ouais. Mais il est évident que quand je suis happé par un projet et que je suis avec, s'il m'arrive d'être avec quelqu'un, je vois que on a du mal à me partager, quoi. Voilà. C'est même très, très, très amusant de. Et puis alors, il arrive forcément des coïncidences qui vont m'amener à pas pouvoir. Et c'est là, dans ces cas-là, à la limite, bon, je vais peut-être pouvoir m'énerver, mais quand je vais. Je te dirais qu'à la limite, si je comprends dans les. Allez, dans les heures qui suivent, généralement, c'est. Puisque maintenant, je suis un peu. Je suis un peu habitué dans le genre. Bon, quand ça arrive, c'est que bon, c'est encore un coup de. Que moi, je peux pas nommer. Je ne nomme pas Ouais. d'ailleurs. Je sais même pas si des ondines ou en tout cas l'esprit de l'eau ou le. Je ne sais quoi. C'est innommable et c'est voilà. Donc je peux pas nommer. Mais si une anecdote que je pourrais raconter, c'est que un jour j'ai été dans les Pyrénées. Et avec un pote, et on était au bord d'un cours d'eau, voilà. Et je me souviens, tous les deux, on s'est baignés. Et puis je sais pas pourquoi ce jour-là, donc on était venu avec ma voiture, et ce jour-là, on était donc en caleçon. Puis je prends les clés avec moi. C'est pas la peine, parce que tu sais, on est dans la pampa pyrénéenne, au Pays Basque. Bon, il n'y a pas 36 000 voleurs là-bas. Et je me suis dit, tiens, je prends les clés, on ne sait jamais. Et on prend les clés en se baignant dans le ruisseau. Pas forcément une bonne idée. Et donc, on se baigne, on se baigne. Mon pote, c'est lui qui avait pris les clés, il avait des poches. Il avait des poches, lui, à son truc. Il disait, là, ça craint rien. Et effectivement, hein, c'était une poche qui s'attachait. Sauf que quand, après s'être baigné, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que la clé n'était plus là. Et je vais te dire, c'est là où ça devient fou. Surtout pour ceux qui n'y croient pas ou qui n'ont pas envie d'y croire. Donc ceux-là, on ne cherche pas à vous convaincre. Vous avez raison. Il se trouve que au moment où on perd les clés, on s'était assis, tu sais, on s'était assis, on était dans le cours d'eau, mais tu sais, c'était un cours d'eau qui était assez, qui avait pas beaucoup de profondeur, hein. On s'est juste assis dans le cours d'eau, juste pour se faire laisser masser les reins, tu vois, par le mouvement. Et là, je me tourne vers mon pote et je lui dis, il y a de la présence ici, là. Direct. Je lui ai dit, il y a de la présence ici. Alors que je voyais rien, que j'entendais pas, mais tout de suite, j'ai senti. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a perdu les clés. Les clés de ma Voilà. voiture. D'accord. Il se trouvait que quelques jours après, une femme, et en plus une danseuse, comment dirais-je, un festival, puisque je danse la salsa, donc un festival de ça, et une fille avec qui je voulais vraiment passer du temps. Et avec la voiture, ça aurait été bien plus pratique, etc., pour aller la chercher, parce que je vais aller la chercher dans une ville, parce qu'elle venait pas par le même côté, etc. Enfin, on devait passer le séjour ensemble. Alors, je commence à paniquer, téléphone à ma famille pour qu'ils m'envoient un double des clés. Ils font un double, parce qu'eux, ils avaient un double chez eux. Je leur ai fait, on sait jamais si ça coince au niveau de la poste. Je reçois le double de la clé. Et là, la farce. J'ouvre ma porte. Impossible de démarrer ma voiture. Impossible. Et donc, pour la petite histoire, c'est que
Eh ben, j'ai quand même réussi à aller au festival, mais j'ai pas été chercher. Donc la voiture se trouvait à côté du ruisseau, hein. Tu vois le truc. Ouais, j'imagine. Impossible de rentrer au maximum. Je pouvais pas rentrer. Alors, et quand j'ai pris l'original, parce que je leur ai demandé de m'envoyer l'original, quoi qu'il arrive, et quand j'ai reçu l'original, en fait, il m'était impossible. Il m'était impossible. Je pouvais plus enfoncer ma clé dans ma clé dans la. Comment on appelle ça? Dans le Neyman. Et après réparation, il n'y avait rien. C'est-à-dire que le garagiste, il a juste tapé sur le marteau et hop, c'est revenu comme avant. Bah là, nul Voilà. doute, Petite farce. ben, l'on dit, ne voulait pas que tu partes, Ah ben. quoi. Ça, à mon avis. Ah non, non, mais c'est le problème souvent quand je m'engage dans des projets, je fais oh, aïe, 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 aïe. Je suis tellement, puis je suis tellement, puis je suis, elle me le rend vraiment très très bien que effectivement c'est quelque chose que j'adore. Mais bon, en tout cas, on n'en avait pas parlé ensemble, mais je. Et, enfin, on passe parfois par les mêmes. Ah, Et puis les mêmes, ouais. Ah, c'est rigolo. je dirais, les mêmes attachements. Ouais. En tout cas, pour ceux qui en douteraient, je vous invite à essayer. Je vous invite à essayer ce genre d'expérience. C'est tout simple, hein. C'est un peu comme de boire l'eau. C'est de boire l'eau avec respect, avec conscience. Vous essayez et puis vous voyez ce que ça donne. Et sans aller à prendre des photos ou faire des films comme moi je le fais ou comme Dominique le fait. Mais voilà, c'est Voilà, une ah, approche intuitive, quoi. oui, puis alors, pour le coup, faites appel à votre féminin. Voilà, on a tous un côté Oui. féminin et surtout quand ça concerne l'eau, quoi. C'est clair. Y a Véro qui me dit, Londine voulait que tu danses avec elle. Oui, pourquoi pas? Parce que l'eau, ça danse, hein. Tu as parlé même d'ailleurs, toi, tout à l'heure, de danseur, de danseuse. Eh ben, c'était peut-être le cas. Voilà, et ben écoute, on va conclure parce que là je commence à perdre Dominique dans l'obscurité. Ah, je vais essayer de tourner cette C'est pour ça que petite lueur. Ouais. Ah, je vais essayer ouais, d'allumer la c'est pour ça que lumière. je t'ai. Ouais, parce que là, il y a un côté sombre et un côté clair. Hein. Ouais. Attends, je vais me lever. Je vais aller voir ça. En tout cas, c'est bientôt l'émission touche bientôt à sa fin. Je vous remercie pour tous ceux et toutes Voilà. celles qui nous Ouais. ont suivis en direct. On rappellera jamais assez que ça fait toujours plaisir de voir des gens en direct, même si vous êtes 1, 2, 3, 4, c'est toujours plaisant de faire une émission en direct, voilà. Et puis bon bah on prend nos marques. Ah bah là c'est mieux là, oui, Ouais. effectivement. Et comme vous le voyez, avec Océan Sea Live, eh ben, c'est autant du scientifique, du lourd, hein, du très technique. Comme la dernière fois avec Marco, on n'était pas seulement H2O, technique, avec ses mouvements spin ou pas spin, etc., etc. Et puis, on a de l'autre côté, mais tout aussi complémentaire, eh ben, quelqu'un comme Dominique. Qui prend des photos d'Ondine. Et finalement, le point commun d'un artiste comme Dominique ou d'un scientifique comme Marc, eh bien, c'est qu'il nous parle de choses que nous ne voyons pas. Ça, c'est quand même la belle conclusion. C'est-à-dire que les molécules, on ne les voit pas. Voilà. Et donc, on n'a qu'à croire les scientifiques. Et là, encore une fois, j'insisterai jamais sur cette interrogation. Comment se fait-il que nous croyons plus les scientifiques? Qui nous parle des choses que nous ne voyons pas à l'œil nu, hein? Et comment se fait-il que nous doutons de ce que disent des gens comme Dominique pour des choses aussi que nous ne voyons pas? Voilà, je ne veux absolument pas trancher, mais je trouve ça intéressant vis-à-vis de nous-mêmes à se poser des questions sur pourquoi, quelque part, nous avons sélectionné que telle chose était. Plus était plus je dirais respectable où on pouvait mieux croire telle ou telle chose. Après, je me dis que l'eau et sa mémoire sont passées par là, hein. On a dans notre ADN la mémoire de l'humanité. Donc, à mon avis,
faut savoir quand même qu'il y a eu une chasse aux sorcières pendant très 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 longtemps, et que tous ces gens qu'on appelle sorcières et toutes ces personnes qui étaient liées aux élémentaux, Dominique a peut-être plus de renseignements à ce niveau-là, ça a été vraiment, il y a eu l'Inquisition et toutes ces choses-là, hein, ça a été tragique. Alors, Tragique, hein. est-ce que nous portons ça en nous? Ça serait une bonne réflexion, hein. Mais je dirais que cette émission avec Dominique, à la limite, je serais motivé par dire eh ben, c'est un message pour tous ceux qui croient que les fées, les gnomes, etc., tout ce monde invisible, voire d'autres choses pour lesquelles nous n'avons absolument pas parlé, que voilà, bah, ça existe, suivez votre intuition, voilà. Et parce que un monde invisible, on peut le voir que par ses sens intuitifs, hein, tout simplement. Voilà, là, on a une belle preuve avec Dominique, hein, en plus avec des photos à l'appui, sans dire que c'était réellement ça, mais en tout cas, on est proche quand même de quelque chose de presque vérifiable. Oui, quelque part, bon, moi où j'étais surpris par mes clichés, c'est de voir quelle correspondance il y avait entre l'imagerie populaire et ce que je voyais sur la photo. Je disais, mince, c'est curieux, quoi, d'avoir cet écho de ces petits êtres, donc, qui correspondaient des fois jusqu'à plus de 5 ou 6 points, hein. Ça peut être le chapeau, pointu. Bon, voilà, donc, c'est vrai que, en cherchant les gnomes, de les voir en photo, pour moi, ça a permis finalement de me rendre tangible cet univers. Parce que j'avais besoin, voilà, de passer par ce stade. Je fais pas confiance à mon intuition, je fais plus confiance à mon œil. Et c'est pour ça que c'est vrai que pour moi, ça devenait quelque chose de figé. C'est l'appareil photo en 1880, quand on a inventé la première fois l'appareil photo, on l'avait appelé le médium. Parce que la photo, elle restait 5 secondes, voire 10 secondes sur la pellicule, puis s'effaçait. On n'avait pas trouvé encore le fixateur de l'image. Donc ça étonnait les gens. Et puis voilà le médium un peu entre deux mondes, hein. Finalement le médium entre le royaume de terrestre et invisible. Pourquoi pas imaginer ce simple appareil comme étant un médiateur quelque part de cet invisible autour. Et pourquoi pas imaginer l'eau comme matériau de création, puisqu'elle est, comme tu l'as dit avant très justement, elle est finalement elle est à la fois solide en hiver et impalpable en été. C'est une curieuse matière que je trouve presque être dans une autre dimension. Sa nature même est déjà dans une autre dimension, quoi. Et je me dis que, ben voilà, elle est peut-être plus proche de l'univers des ondines que d'une autre. Et ben, dans ce point de jonction qu'est la surface de l'eau, l'autre côté de la surface de l'eau, ben, voilà, pourrait peut-être agir ces élémentaux en agissant sur le mouvement de l'eau. Après, voilà, un peu, j'allais dire, on peut avoir plein d'approches différentes, mais bon, voilà, cette approche, je la trouvais ludique, et puis à la fois artistique, poétique aussi. Elle peut réconcilier finalement le pragmatique comme le poète, hein. On peut très bien y aller comme le ruisseau qui peint, ou le ruisseau qui dessine, bien terre à terre, ou alors l'utiliser comme support de dialogue. Après, le champ est libre, hein. On peut, voilà, comme tu l'as fait en filmant aussi, avec ça, cet œil, quand tu me l'avais montré, bon, cet œil ralenti, là, et ponctuait bizarrement, hein, nos premiers échanges. À l'époque, tu sais, quand tu as montré cet œil, je me suis dit, mince, voilà une curieuse correspondance de ce regard de l'eau, qui était quand même, je sais pas si tu l'as apporté ou encore pas. Malheureusement, ouais, j'aurais pu le. Alors, pour les gens qui voudraient le voir, ils cherchent dans ma page YouTube Seconds of Eternity, donc ils Oui. mettent Seconds, donc Seconds en anglais, Éternité en anglais, donc Seconds Eternity numéro 51. Voilà. Ah. Et là, vous allez voir quelque chose de fantastique, un arrêt sur image, voilà, pas fait exprès du tout. Moi, je l'avais même pas vu au moment. Et Bah, peut-être que justement, même pour toi, à la limite, Dominique, c'est après que tu le vois, non? Parce que finalement, sur le coup, tu le vois pas forcément. franchement, si tu n'avais pas fait le zoom dessus, c'était trop rapide, évidemment, à 25 images par seconde. Cet œil apparaît sur une ou deux images, sur les 25, Mais à peu c'est même pas près. un zoom, hein, que. Enfin, Non, avant le non. zoom, c'est surtout un arrêt sur image, hein. C'est un arrêt sur image, mais moi, dans la vitesse réelle, je l'ai pas perçu. Ah L'œil. ouais. C'est vraiment en faisant pause. Alors, je me suis demandé comment tu as fait pour voir cet œil. Tu l'avais passé en ralenti ou tu l'as vu? Comme ça, C'est vraiment très simple. Tu sais, j'utilise un logiciel qui s'appelle eMovie. Et donc, sur le fichier, d'accord. j'ai tout simplement baladé ma souris, tu vois, donc mon curseur. Et puis, à un moment Voilà. donné,
Voilà. J'ai vu apparaître et là j'ai fait cadeau. J'ai fait merci, cool. Ah bah là, ça calme tout le monde, hein. Je veux dire, là, t'as pas besoin de. Ben, on a l'instant avant où il n'y a rien, l'instant après où il n'y a rien. Il y a cet instant T où voilà, la cohésion se forme dans un œil qui vous. En fait, on est observé de l'autre côté. L'œil est très symbolique, hein. Finalement, c'est l'œil qu'il faut pour le voir, déjà cet œil, mais ceci l'œil qui vous observe de l'autre côté, à se demander qui observe qui. Et peut-être que de l'autre côté, il y a des ondines qui prennent des photos et qui montrent des photos d'humains en train d'essayer de les convaincre que les humains existent. Ah non, j'exagère, mais je veux dire, voilà quoi. Il y a Je suis en bon, train d'essayer, vas-y, continue, je suis en train d'essayer de le chercher, on va. il y a un très beau dessin animé, hein. Alors, Orton, je sais pas si tu as déjà vu ce film Orton avec l'éléphant qui protège un pissenlit parce que sur le pissenlit, il y a tout un univers, toute une planète qui doit protéger. Alors c'est une belle réflexion sur les mondes parallèles et puis sur la naïveté première. Voilà, c'est un Orton, il s'appelle Horton, et c'est une belle, c'est un des films d'animation, j'allais dire, qui m'a le plus marqué là ces derniers temps, au niveau du Alors, je vais vous message et. proposer, je vais vous proposer de vous montrer là, cette vidéo-là pour ceux qui nous regardent, comme ça vous allez vite comprendre. Donc, encore une fois, c'est un arrêt sur image. Moi, je l'avais en grand. Ouais, mais c'est. Je le remets, et puis Véro, tu me dis si tu l'as. On va le remettre. Hop. Bon, évidemment, la vision soi-même de YouTube est de meilleure définition que celle comme ça transcrite. Hein. Donc là, comme on disait, le nez, Ouais. l'œil avec la Ouais. pupille, et même la lumière, hein, du cette Ben, fameuse lumière que les photographes recherchent dans la pupille. justement, on a vraiment cette impression de relief, de matière, il y a une matérialisation, Ah, quoi. mais carrément, hein. Mais moi, quand j'ai pris cette image-là, j'avais un lien beaucoup plus fort avec l'eau, hein, à ce moment-là. Ouais, c'est sûr. Et ce film ne me fait que confirmer. Et Rodolphe, et dis-moi, tu vois là à droite? Oh mince, dommage, il y avait un petit faune. Alors tu sais où t'as vu l'œil, où t'as vu l'œil gauche? Voilà. Ouais. Ici, moi je vois un visage de faune. Regarde, C'est l'œil, la ça. bouche, le nez. Ben ici. Là, là. Ici en fait, là. Là, t'as l'œil, t'as le Là, là nez. où je montre, là. Non, non, à droite, là. Tu vois Ah, pas? ici, Ah, là. ici, oui, ici, oui. Là, il y a un, t'as un, comment dire, une petite barbiche, il y a une tête de faune. Ah ouais. Tu vois, avec les deux yeux, bon, c'est fugace, mais Ah ouais. en zoomant, en extrayant le truc, il y a quelque chose là d'élément. Pour moi, c'est Ah un visage élémental et que je retrouve aussi sur les clichés, ce genre de ouais. manifestation. C'est très fugace, mais quand tu regardes comme ça, il y a l'œil gauche devient à lui seul déjà une tête complète, mais toute petite Ah ouais. aussi. L'œil de la nature, faune. Et c'est vrai qu'il y a des. Enfin, on peut y passer. On peut y voir ensuite de multiples choses. Enfin, en tout cas, voilà, c'est. Et t'as pas filmé 2 ans l'eau, quoi. Ça a duré quoi? Cette séquence a duré quelques secondes, quoi. Ouais, c'est exact. Mais j'y ai passé. Je suis parti à 9 000 km de chez moi et avec très 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 peu d'argent et j'ai fait tout à l'intuition et fantastique voyage quoi. Voilà. Bon, j'imagine. C'est vraiment comme parfois peut-être certains scientifiques d'ailleurs qui vont parler de l'eau mais qui vont jamais
être en contact avec elle directement, tout simplement. Voilà, là c'est un truc en plus assez incroyable. Moi je me souviens, peut-être que toi on te fait la réflexion de temps en temps, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il y a à filmer? Il y a de l'eau, il n'y a rien à filmer. Ouais. Ou alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous Voilà. cherchez où? Regardez. C'est que j'ai fini mon périple. Enfin, le premier, parce que je l'ai fait en 2 mois. Donc, ça, c'est ce que je vous raconte, c'est le tournage de Being Water, de The Experience Being Water, où je voulais filmer l'être de l'eau, qui est invisible, hein, évidemment. Après, je raconte pourquoi. Enfin, c'est entre autres grâce au travail de Théodore Schwenk, un des disciples de Rudolf Steiner, qui a écrit Le chaos sensible, et qui lui parle, de par ses démonstrations et ses observations, et il parle de l'être de l'eau, justement. Et donc j'ai été inspiré par ce travail-là, donc j'y suis allé. Et alors ce qui est extraordinaire, donc, comme je le disais précédemment, c'est que plein de fois je me suis retrouvé dans le caniveau, à Fontaine, à filmer des tas de choses, donc toute forme d'eau, mer, océan, rivière, eau du caniveau, eau du robinet. Et donc cette question récurrente ou cet amusement à me voir filmer l'eau. Et au final, pour me retrouver, parce que je ne pouvais pas ne pas passer là-bas puisque j'étais au Canada, donc aux chutes du Niagara, où des milliers et des milliers de touristes vont faire quoi? Photographier et filmer l'eau. Voilà l'ironie de l'histoire. C'est-à-dire que c'est drôle. Quand c'est spectaculaire, c'est normal, mais quand c'est pas spectaculaire, eh ben, ça porte à la moquerie et à l'étonnement, voire il n'y a rien à filmer parce que c'est de l'eau. Et par contre, ces mêmes gens ne sont pas étonnés d'aller prendre des photos des chutes du Niagara parce que c'est spectaculaire. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu à contre-courant, j'allais dire, que le merveilleux aussi émerge, hein, pas forcément dans. Voilà, je pensais que dans cet œil qui émerge. Voilà, est quelque part aussi saisissant que ces chutes qui s'écoulent. Simplement, c'est une approche plus intime, comment dire. C'est une proximité avec cet élément qui fait que la magie est dévoilée ou révélée aux êtres sensibles et puis. À ceux qui savent regarder ou qui en ont un contact avec leur enfant intérieur aussi, quoi. Je pense que c'est surtout ça, l'univers des gnomes, garder encore ce côté un peu, cette candeur de l'enfance, quoi, et puis cet émerveillement finalement devant un banal cours d'eau pour certains, quoi. C'est un lieu de mille et une magie pour le photographe, pour le vidéaste. Et puis bon. Merci finalement de quelque part on a chacun sa barque, mais l'océan est le même. Et on navigue comme ça dans ça super de cette rencontre, quoi. C'est la magie de la toile Et du ruisseau. et du ruisseau. Bon, eh bien écoute, on va conclure. En plus, là, il fait de plus en plus nuit, donc Oui. c'est ce qui me fait penser qu'il faudra que je fasse les enregistrements cette fois-ci légèrement plus tôt, parce que Plutôt. là, on n'est jamais très bien fourni en accessoires Ouais, pour bon, c'est filmer. En tout cas, bah, merci beaucoup Dominique pour ah le ben, temps écoute, passé c'est à nous parler malgré tous les problèmes techniques. Donc j'imagine que on refera un podcast ensemble où on sera beaucoup mieux calé ouais. techniquement pour Ah, c'était le super. confort, pour notre confort à tous les deux, et puis pour le confort des gens qui nous regarderont. Voilà. Un petit mot de la fin et puis je vais conclure. À savoir aussi que le 12 novembre, eh bien, le 12 novembre à 18h, avec Jacques Collin, Marc-Henri, Yann Olivo, Dominique et moi-même, plus d'autres personnes, eh bien, on fera un multiplex. Voilà, on complique un peu la tâche. Ça va être assez fort puisque chacun va être vraiment dans des univers parfois complètement différents, mais ce qui va nous relier, eh ben, c'est toujours la même chose, c'est l'eau. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est très féminin, l'eau, puisque l'un des principes féminins
de la plupart d'entre nous, eh ben, c'est la reliance. Voilà, on parlera de ce sujet, on aura des sujets. Donc, le 12 novembre avec Dominique, mais on ne parlera pas que de Dominique. Dominique nous apportera, lui, sa vision sur les sujets qui seront abordés et la discussion qui seront abordées au travers de ce multiplex. Donc, ne loupez pas le 12 novembre à 18h, voilà, en direct, toujours, sur Océancy Live. Pour une plus grande simplification, allez tout simplement sur naturefilm.com. Et si le site ne fonctionne pas, eh bien, guettez sur Facebook sinon allez sur Google+. En tout cas, on essaie de faire au mieux pour que vous puissiez accéder, eh bien, à l'enregistrement. Naturefilm.com, voilà, la première page d'accueil, et vous tombez sur une des fenêtres qui est la fenêtre du direct. Voilà, un petit mot de la fin de Dominique en nous rappelant par rapport à ton livre. Ben voilà, bon ben, Dominique? oui. Ah ben écoute, Voilà, avant qu'on te perde dans l'obscurité, avant que tu oui. deviennes invisible, là. Ben écoutez, ben merci Léo d'avoir assisté à l'émission et de tes commentaires. Ah, mais il n'y a pas qu'elle, hein. Il n'y a pas qu'elle, Et y ah a pas d'accord, qu'elle. ok. Ah, là, depuis Mais tout à l'heure, après, y a pas que Véro. ah d'accord, ben merci à tous d'avoir assisté à cette petite émission, que les gnomes et les ondines chantent et dansent tout autour de vous. Et puis, ben, pour la plus grande joie de ces êtres, allez à leur rencontre dans la nature. Voilà, vous serez pas déçus. C'est des rencontres magiques chaque fois. Ça peut être pas forcément sur l'eau, ça peut être aussi dans une feuille. Alors c'est dommage, je n'ai plus le temps, mais si vous tapez salutation d'un sylphe sur YouTube, vous avez une petite plante. Alors voilà, c'était une extension de la démarche de l'eau. Je voulais voir, j'avais demandé à l'eau ce qu'il avait à dire. Vous avez vu certaines de ses photos. Moi, j'avais demandé au vent. La même chose qu'il avait à raconter, et puis ben, il va parler, si vous voulez, dans une petite plante, en faisant bouger juste une feuille, et semble inviter finalement l'observateur à inviter dans la forêt, ou aussi simplement à le saluer. Et puis voilà, curieuse petite plante, donc c'est Salutations d'un sylphe sur YouTube. Ben, sinon, ben, merci à toi Rodolphe, encore Alors, ben. on a un commentaire de Carole qui nous dit, après les ondines, à quand une émission sur les fées? Voilà. Ah bah oui, bah là, ben l'effet, ça. Si l'effet n'intéresse, ben bon, j'en vois pas d'effet. Par contre, je vois, en partant du principe toujours pareil, qu'elles sont tellement à l'aise dans l'air comme les ondines dans l'eau, qu'elles peuvent aussi agir sur leur environnement, alors elles peuvent peut-être, dans des micro-courants d'air, faire bouger une feuille en particulier plutôt qu'une autre, et comme ça dans des cohésions. Alors, voilà aussi, c'est ça aussi qui est troublant, c'est que quand on voit une feuille bouger sur Internet, ça on se dit, bon, voilà, c'est le hasard. Mais il faut savoir que c'était dans cette tentative de conscientiser les éléments et d'y voir justement une interaction. Donc, curieux qu'en demandant aux fées ce qu'elles avaient à dire, qu'une plante au même moment bouge. Donc voilà, si les fées t'intéressent ou vous intéressent, vous pouvez aller voir Salutations d'un sylphe. On la voit pas directement, mais on Ah voit. oui, ah oui, cette vidéo-là, ah oui, elle est Oui, magnifique cette vidéo. on la voit finalement d'une manière indirecte, comme secouer la plante ou diriger, évidemment. Certains experts en aérodynamique diront qu'il y a une résonance de la feuille, mais bon, il me plaît à croire qu'une petite fée a pu bouger cette feuille. Donc voilà, je me dis que un jour quelqu'un a dit, plus c'est poétique et plus c'est vrai, ben pourquoi pas, quoi. Je me dis, pourquoi dans la poésie ou dans l'imagination n'a-t-il pas une forme de réalité, quoi, ou de, voilà. Eh ben moi je t'invite à continuer Dominique, hein. On a besoin de personnes comme toi qui malgré les ricanements, malgré le fait que tu gagnes pas des milliers de cents à ce que tu fais. Et Ouais, d'ailleurs c'est je pense clair. que c'est un très 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 bon test de ne pas gagner des milliers de cents, puisque on serait riche, je ne sais pas si on mettrait autant de force et C'est on clair. s'intéresserait autant aux ondines et à ce peuple fantastique qui est invisible. Voilà, parce que finalement, l'invisible et le zéro, c'est assez proche. Zéro, la gratuité, le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, ça aide. Voilà, parce que ça Écoute, nous oblige à être plus créatifs pour quand même montrer le vaillant chevalier que nous sommes à Ah, nos mais, chères ondines. ah, franchement, merci pour
Donc c'est Oh, beau, bah, tu vois, c'est regarde tout la peut preuve, faire. regarde, on arrive même à faire une télévision. Alors, c'est quand même extraordinaire. Enfin, je veux dire, moi, je veux dire, la Franchement. technologie, enfin, je ne vais pas commencer parce que sinon, on ne va jamais conclure cette émission. Ouais. Je te propose, Dominique, de rester un tout petit peu là hors antenne, le temps que je remercie encore les gens qui nous ont regardés, donc visiblement des femmes, bizarrement. Vous donnez rendez-vous, voilà, le 12 novembre pour un prochain Océancy Live, donc où sera abordé l'eau, avec en l'occurrence la présence de Dominique avec nous. Encore merci, je vous dis à très très bientôt. Et pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, Océancy Live sur YouTube. Voilà, merci, à bientôt, salut! Ciao.